Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Oh, pile quand je baille, ça va très Salut bien à et toi? tous et bienvenue Oh, sur et Magic il y a un Arena. retour Oh, le incroyable. retour, Hop là, horrible. Vous c'est nous bon, entendez en il n'y a deux? plus de retour. Et ils sont juste derrière Et ils nous. sont juste là, Ouais, c'est les hop clones. là, nous Et on non, enlève vous le n'êtes pas masque. sur Magic Arena FR, vous êtes sur Spark TV. Bam! On est sur MVG. Spark TV! Bonjour Bonsoir à YouTube. tous! Comment va YouTube? Mettez-le dans les commentaires, ça me fait plaisir de lire à chaque fois. Je vais bien. Dédicace à ceux qui regardent ça en rediffusion. Et vous êtes environ entre 3 et 4 000 à chaque fois, donc merci beaucoup. Merci aux 3 ou 4 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on va partir un Si petit vous peu avec venez ça. tous en live, on pèterait les scores. Hein. Je tiens juste à le C'est le dire. truc. C'est genre, il y en a juste que, allez, une personne sur deux qui regarde cette vidéo sur YouTube se dit, t'es, je vais aller voir ce qui se passe sur Twitch. Satellisation. Paf! Incroyable. Instantané. On est à 2K viewers daily. Kappa Daily. 92 sur mon Daily. adversaire. Et on bat du coup les streamers anglais. Et ça, mettre la piquette aux anglais, tout le monde adore. Très bonne main. Big up à Mao Ascar. Yes, Allez, nous salut best. à tout le chat. Yes, nous best. Je leur Et ferai. bonsoir à Toumaï. Je leur ferai le big up. Toumaï qui nous a fait rire avec sa découverte du band J'ai skeptif. On est adoré. arrivé juste à la fin Le mec a du fait live. 17 tokens, enfin 16 tokens plus 1, et il a fait. Wouah. Wouah. Je pensais faire 2 tokens. Ah ouais, Et ouais. c'était pas pareil, C'est ouais. ça que ça fait? Eh oui. C'était incroyable. Du coup, salut à tous ceux qui arrivent. Je vais tous vous citer un à un. Melezen, TheDooft, Narizi, Gilsayan09, Madrid 2, Easier, Nubest, Pousse, Telstone, Badfab, Thomas, GDQN, Miguel Velu, Nubest, Furtifrec, j'ai déjà dit Nubest d'ailleurs. Salut Undying Maybe. Zod, salut Maybe, salut Frissounet, salut Bolgo SC2, salut Captain Beer, Captain Beer, joli comme pseudo. Salut Narch. Et c'est bon, je crois que je suis au bout. Et non, salut Martyr, salut Jacob Bronski, salut Bruggy et salut Siapello. Voilà. Le but c'est de rattraper le chat. Et une fois qu'on l'a rattrapé, on est bon. Tous ceux qui arriveront C'est après, bon. bonjour et salut Sigriff, pardon. Et salut au bordel Pitou. Oh, j'ai bien envie de sacrifier ça Et du c'est là coup. où tout le chat commence à dire salut pour que je ne puisse jamais m'arrêter et que je meure sans avoir le temps de respirer. Allez, sauce-moi ça là. Il n'y a plus le temps là. Ah, c'est con. Comme je le mets, bah, ça trigger plus. Ah, ça met le même Mais nombre on de met dégâts. toujours autant de dégâts. Là, du coup, j'ai pas attaqué avec mon Brandon parce que j'avais envie de tuer une bête ou une curieuse obsession. Bah, du coup, vu qu'il a joué vent favorable, j'en ai profité pour tuer le marin spectral Tu as bien on raison. time. Et une 2-2 lien de vie, j'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors, vous avez les deux cartes du deck dans la main là. Attaque et s'il bloque, tu Cavalcade fais. et Crash Feu de Chandra. Voilà, Cavalcade pour mettre des points à distance. Crash Feu de Chandra pour justement que ces points à distance buffent le Crash Feu de Chandra et tue l'adversaire. Je te propose d'attaquer si jamais il bloque. Ah non, mais il est 2-2. Quelle erreur. Non, je pense que je vais juste Oh, ouais, t'as poser. raison. Il y a aucun cas où il bloquerait pas là, je Non, pense. non, ouais, je pensais qu'elle était, il était 1, son piaf, je dis des bêtises. Comment ça, le splash bleu avec Tetsuko? Il y a une version qui splash bleu pour Tetsuko? Nous, on connaît pas. Franchement, les slots sont tellement discutables. Oh, il joue Duelist Fairy. Oh, c'est moche. Quelle horreur. Oh, c'est dégueu. Mais personne joue ça, c'est assez fou. Mais là, j'en joue aucune, je crois. Ouais, donc peu importe. Bien joué. Merci. Ah, je peux pas dire merci. Oups. Oh, c'est bien. Avec l'Empyréen. Ok, bon là on vient de se faire Satel, non? Bah, de toute façon, ce deck, c'est la némésis totale du Ouais, contre. carrément. Donc, on va jouer. Même pas, tu joues crash feu là. Ah, en crash feu direct. Est-ce qu'il fait Et là il parce que attaque ça avec crash? tout et toi tu. T'as un setup improbable de spell qui le tue. Ouais. Ouais, non, il a C'est posé un Pharah. bloquant. Je déteste ce deck. C'est, je crois, le deck que je Ah, déteste le plus. c'est une horreur. Bon, voilà. Ah, quoique, du coup, il est full tap. Mais il a une 9-9 lien de vie. Elle est lien de vie, on est d'accord. Ouais, mais mon crash feu va être très gros là. Ah ouais, mais il va juste la bloquer et gagner 9. Oh putain, il a raison. Ouais. Ah non, mais ne te bats pas. Hein. J'attaque. Je Qui veux juste tombe? vous montrer ce que ça fait les deux. Ce que c'est censé Quand faire. il n'y a pas tour 5, une 9-9 lien de vie. Vous voyez? Voilà, on lui a mis 4 points de dégâts, on a une 13-3. Il laisse même passer tellement Ah, il me il nargue. m'énerve. Ah, toi, tu m'as saoulé, Kappa. Kappa, va-t'en. Qu'est-ce qu'on en pense du format Brawl? Alors, en tant que juste format, parce qu'on n'a jamais joué à ce format, perso, moi je trouve que c'est super cool comme idée, mais apparemment, de ce que j'en ai entendu sur Twitter, etc., c'est un format qui se veut un petit peu mourant, puisqu'il est résolu assez vite,
Et il est assez dur à balance en fait. Alors là, du coup, ils vont à chaque sortie d'extension maintenant sortir des cartes exclusives au Brawl pour justement qu'ils soient Ah, pas chaque sold. extension? Bah, je sais pas, mais en tout cas, dans Eldraine, il y a déjà deux cartes pour Bah c'est dans les packs. le Brawl. C'est des packs de Brawl. Oui, voilà, mais qui sortent à chaque extension. Ouais. Ah mais Donc. je savais pas que ça sortait à chaque extension, je croyais que c'était qu'à celle-là. Ah, non, bah, j'ai pas Pour l'info, hein. promouvoir. J'ai pas l'info, mais j'en ai déduit naturellement qu'ils allaient le faire pour chaque extension Ouais. maintenant. Si c'est pas le cas, effectivement, c'est un peu con. Mais justement, pour pas avoir un méta trop solve trop rapidement, si à chaque extension, tu as des nouvelles cartes qui sont ajoutées pour le Brawl, Du coup, oui, le format vie. du coup, le format doit pouvoir vivre. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu tard. Disons que les heures de gloire du Brawl étaient plutôt à l'époque de Dominaria, et que c'était à cette époque-là qu'il aurait peut-être fallu l'implémenter. Mais dans tous les cas, ça reste du bonus, et c'est toujours bon, quoi. Oui, grave. Bon, en tant En que. fait, ça dépend ce qu'ils en font, parce que s'ils mettent juste le format en mode oh, regardez, vous pouvez faire du brawl, c'est pas mal, mais ça n'a pas donné envie aux gens de jouer, en fait, ça donne pas Ouais. de but. Est-ce qu'il Par faut contre, mettre un s'il y a ladder? ne serait-ce qu'un mode compétitif, enfin, je sais pas si ça se joue en BO3 le brawl, je sais pas s'il y a un side. Je sais pas du tout. Je pratique pas. Si jamais. Sans vapeur, ouais. Moi, ça m'a peur. Je pratique pas du tout. Si jamais vous pouvez faire des événements où tu payes 500 gold et tu peux gagner des rares et Ouais, tout en en farmant brawl, tes gold en brawl, c'est cool. franchement ça peut être intéressant pour les débutants justement qui peuvent assez facilement faire des Monter decks des viables. paquets, ouais. Moi, je pense qu'il faut clairement mettre un ladder. Je pense Oula carrément de brawl. Par contre, que ce soit là. pas un. Il faut pas que ce soit un ladder qualificatif Oh pour les là là, Mythic je sais ce qu'il Championship. joue lui. Ben ouais. Ben ouais, malheureusement. Il Mais faut je pas que pense ça soit qu'il. un ladder qualificatif, par contre, Il pour joue les Mythic 5. Championship. 5 couleurs golos, je crois. Probablement. On va jouer Cavalcade de la Calamité. Crasheur brûlure. Crasheur de brûlure. Cacheur de Donc brûlure, ouais, ouais. un mode ranked, donc un ladder, mais qui soit pas que tu puisses pas avoir un jeton de qualification sur ce mode-là, parce que pour se qualifier à un Mythic Championship, pour moi, il faut que ça soit dans un format dans lequel tu peux jouer à un Mythic Championship, donc du coup pas en brawl. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un ladder. En tant que joueur, personnellement, c'est pas trop un format que je vais tryhard, mais en tant que créateur de contenu, c'est super cool pour nous, je pense. Ouais, grave. Le Et il mec joue fait Ghost. ça, quoi. Bon, ça va. Sans cague. Ah, vas-y, tu peux faire un peu de salle. Prendre tes manas. Tu peux Non, kill fais Golos. Z, fais retour. Parce que tu peux attaquer avec ton 4-4 là. Bah, il va me bloquer avec la 3-5. Ouais, mais tu vas déclencher Cavalcade et du coup, tu auras un éclairer la piste pour un. Ouais, mais je perds ça. Pourquoi? T'es pas obligé d'attaquer avec? Pour remettre 1. Mais tu peux attaquer avec ton sang vapeur en fait. Oui, mais ça va pas trigger Cavalcade. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors dans ce cas, tu peux prendre ta mana, j'ai de la merde. Non, sinon je peux attaquer. Et s'il me bloque, bah du coup je lui mets choc. Ok. Mais du coup, attaque avec ton crasher, hein, dans tous les cas, c'est. Bah non, parce que s'il bloque, en fait, il faut que je mette mes deux sorts pour le tuer. Sinon, je vais juste perdre le crasher. Bah, Non, faut pas que j'attaque avec. c'était juste pour pouvoir trigger éclairer la piste en fait. Bon, en fait, s'il me bloque pas, Ouais. je trigger avec la rapide. S'il me bloque, je tue avec frappe. Et je tue avec choc, pardon. Et avec les manas, je peux faire frappe avec la piste. Ok, vas-y. Il fait Mais extrêmement chaud, non, je suis en non, train de non. mourir. S'il te bloquait, tu prenais pas les manas, sinon ton sang vapeur mourrait. Bah Mais c'est pas bon. grave, j'en avais un autre pour Là, faire des plays. du coup, on est bien. Et là, il faut que tu prennes tes manas avant. Par contre, maintenant. Effectivement. Yes, et là, on est bien. Ok, cool. Je peux jouer ça. Ouais, tu peux même. Alors, attends. Je Non, peux ouais, juste... non, tu fais brûleur, je pense. Brûleur. En vrai, il aura la célérité, donc il vaut mieux que je joue au tour prochain. Et là, je vais plutôt faire. Tuer l'épaisseur, ok. Non, je vais tuer Golos. Ah, sinon, il Tu va activer la peux. Eh oui, capa. tu peux tuer Golos, ok. Et je vais être vraiment pas bien. Ah, mais du coup, tu peux, même sans vapeur maintenant. Mais ça sert à rien. Bon, au pire, les tokens restent, hein. Ouais, mais il y a l'effet de surprise. Comme tu veux. Ah, mais non, mais C'est c'est pour être mana exilé. efficient. Ouais, du coup, je vais jouer, t'as raison. Ouais, c'est juste histoire de. Bon, après, je sais pas ce que tu peux vraiment piocher qui te donne envie de faire ça, mais. En fait, s'il joue des Vras, là j'ai tout perdu quoi. S'il joue des brasses, Mais normalement il en après. joue, mais faut qu'il l'ait. Bah, il aurait landé après. Il Donc là, aurait on est landé bien. après normalement. Une grosse Krasis, ouais, c'est pire. C'est pire qu'une brasse. Bon, en vrai, il joue le pire deck, hein, pour. C'est pas mal ça.
Ouais, il faut lander après les éclairer la piste, mais ça, au Ah point où merde. on en est, on s'en cague. Ouais, je me suis dit si ça me trouve des landes, de toute façon Ouais. ça change rien. Donc. Parce que le land c'était un land éclairé à la piste. Après, là, tu vas lui mettre quelques points de dégâts quand Je vais même. mettre pas mal, hein. Et du coup, pour ceux qui demandaient, je sais que j'ai vu dans le chat des gens qui demandaient qu'est-ce que le format Brawl. Le format Brawl, c'est un format dérivé du Duel Commander. Et donc, en fait, c'est un Duel Commander en standard. Et donc, pour être plus explicite, vous prenez une carte légendaire, donc une créature légendaire qui est légale en standard. Vous dites que c'est votre commandant. Et ensuite, vous allez jouer 60 cartes, un deck de 60 cartes avec seulement des cartes en un exemplaire, excepté les terrains de base. Donc en gros, c'est-à-dire que vous jouez un deck singleton avec un commandant qui est une créature légendaire que vous avez choisie au préalable, qui n'est pas dans votre deck et que vous pouvez invoquer à tout le moment de la partie. Donc généralement, tout votre deck synergise sur cette créature légendaire que vous avez choisie. Typiquement en Brawl, on va sûrement jouer Kétis. Et en gros, on pourra invoquer Kétis tout le temps au tour 3. Et derrière, on essaiera de jouer plein de Planeswalker ou de sorts légendaires, quoi. Typiquement. Je pense que Kétis va être un des archétypes qu'on aura envie de jouer Pas mal, en Kétis. Brawl. Je pense que Yarok sera ok. Je pense que tous les tricolores, à part Omnath, vont être ok. Si, si, les landes de base, c'est la seule carte qui peut être jouée en plusieurs exemplaires, sauf avec des cartes comme Pétitionnaire et Rare qui précisent qu'elles peuvent être jouées en plusieurs exemplaires. Ouais, tu peux jouer quand même autant de lance de base, le land de base que tu veux. Sinon, on sera obligé de jouer 5 couleurs en fait. C'est compliqué, mais c'est pas perdu, hein. Il est qu'à 9. Et K9. Attention, il est qu'à 9. Si, Ah. Elemental. Omnath Elemental, je pense que ça pourrait être jouable, mais je pense que ce sera un peu frêle. Alors, en fait, si dans Eldraine il n'y a pas plus d'élémentaux, ça sera pas possible. Ça dépend. Ah, franchement, en tricolore, déjà, t'en as plein là, non? Ah, mais c'est un seul exemplaire. Ouais, mais tu rajoutes ceux que tu joues pas parce que t'as pas la place, mais. Ça sera quand même pas très fort. Par rapport à Mais tous les franchement, il y en sorts. a qui sont forts. Oui, non mais Hein. Qui ok. sont pas joués. Mais de là à faire un deck de 60 cartes en singleton élémentaire, ça me paraît plus dur quoi. Ouais. Écoute, on va jouer. Je peux jouer ce land. Bah Je peux écoute, jouer en vrai, ça. est-ce que t'as pas gagné en deux phases d'attaque là? Bah, vu qu'il va tout bloquer et que je vais tout perdre, pas trop, Ouais, mais mais. tu développes Cavalcade là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il prend 6. Il va en bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre tu top deck burn spell, t'as gagné quoi. Il va prendre 1. Donc, il va prendre 7. Tu peux le rendre Donc, imbloquable vaut mieux que le j'attaque Finode avec hein. ça. Ah, c'est trop tard. Ah ouais. Ah, j'ai pas pensé, merde. Ah, je confondais avec celui qui sacrifie, mais on le joue plus dans le deck. Je crois que vaut mieux que je mette comme ça. C'est pas forcément un 1v1 le Brawl et mea culpa Clark 01. Je pensais que c'était en 1v1 pour ma part. Mettre sur un token gobelin, on s'en fout. Ouais. Ah, j'aurais dû mettre là-dessus un blocable, ouais. Attends, je suis un peu con. Ah putain, on Attends. l'aurait mis à 1 du coup. Mais je Mais vais le ça mettre change rien. là-dessus. Je vais essayer de rendre un blocable en réponse. Ah, voilà. Eh oui, il a Parfait. pas, oui, il a pas encore déclaré ses bloqueurs. GG. GG. Et oui, sur Arena, ce sera du 1v1, c'est sûr. Passe à 3, 4, 5, 6. Donc il va prendre 1 plus 2. Ah bah je crois qu'il est mort. Oh, Je peux c'est pas beau bloquer ça. ça. Ah non, il a Si, 1. si. Il prend 3. Regarde, 1, 2, 3. Ah ouais. Oh, tout pile. Oh, c'est beau. Ouh, sur le Eh bien fil du écoute, rasoir, quoi. tout pile et on transpire non pas à cause de la game mais parce qu'il fait très chaud. Oh là là là, cette canicule. C'est une canicule. Ah, c'est une canicule à ce Ok, donc niveau-là. on est sur une chaleur caniculaire ou une caleur caniculaire. Chaniculaire. Chaniculaire? Ouais. Ok, donc on est sur une Ça, caleur c'est formidable. chaniculaire. Ou caniculaire même? Kétis, comme tu l'as écrit la première fois, je crois, au bordel pétou. Ou alors Kethis. Je crois que c'est KETHIS. En Je tout vais cas, je l'aurais regarder écrit comme de ça, ce moi. pas. Ou KHETIS ou KETHIS. D'accord, ok, ouais, c'est vrai que les deux sont confusants. On va regarder, on te dit ça. Gardez. Kethis en anglais. C'est vrai que Pou avait raison, on pouvait enlever les. Il excuse, les trois marqueurs de notre sang vapeur pour trigger un dégât de plus sur Cavalcade. La machina. Effectivement, puisqu'il allait être sûr de ne La bloquer. machina. Ok, on est sur un miroir, je crois, hein, on peut se le dire. Bah, miroir de couleur. Après, joue-t-il la version pipi caca que nous jouons? Y a des chances, hein. On verra bien. Allez. Abois, aboiement, canicule, caniche, caniche, culaire, caniche, chien. Exactement, la like Glassani.
Je vais tuer ce pur Ah romancier. bah non, du coup on n'est pas sur la même version pipi caca. On est sur la version juste Gagne. pipi. Juste pipi, ouais. Eh ben écoute, une petite cavalcade. Ouais, c'est ok. Into crache feu de Chandra qui va mourir. Into on a perdu. Alors du coup c'est ce qu'on disait qu'ah ouais, le brawl a pas trop marché IRL, mais je trouve que c'est un bon format pour Magic Arena pour le coup. Là, il a pas marché ton lien, Kawa. Ce fut d'un échec. Ok. Est-ce que. Ah, le problème, c'est que ça. Pas sûr que ça survive, ça. Et en même temps, sinon je suis juste éclairer la piste à toi. Compliqué, hein. Ouais. Vas-y, ok. Ça me va. Le brawl, ça marchait bien sur Wii. Je valide Madrid 2. J'aime même beaucoup brawler sur Wii. Avec Zelda pour ceux qui connaissent les différents gameplays. Tu peux m'enlever cette petite barre là qui nous coupe en deux. J'ai l'impression d'être dans Cube et de m'être fait Bon film, hein, Cube. très bon film. Bah, j'ai vu que le 1 et il était bien. J'ai pas vu les autres. En vrai, c'est le pire film. Moi je l'ai vu jeune et c'était une Je l'ai vu jeune référence. aussi, et j'ai bien aimé. C'était une référence parmi nos collègues. C'est en mode t'as vu Cube? Ouais, tu vois, il y avait Cube et Starship Troopers, tu vois, genre. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Moi, j'ai vu et j'ai bien aimé Starship Troopers. Mais j'ai vu un peu C'était tard, donc genre pour le coup, c'était c'était les moins. films un peu malaisants que tu pouvais voir quand t'étais adolescent, tu vois. Ouais. Est-ce que C'est genre en mode cube, oh, le mec il est découpé en cube, tu te rends compte? Tu parles de Jumper quand tu dis ça? Jumper était incroyable. Mais ça c'était pas malaisant comme film, Jumper, c'est le c'était. meilleur film. C'est le meilleur film. Mais il faut avoir 14 ans pour trouver que c'est le meilleur film. Oui. Mais ayant eu 14 ans quand Jumper est sorti, ou 13 ans, c'était en mode ah ouais, mais moi de toute façon je vais me téléporter. Hein. Tu Tu parlais rigoles comme quoi. ça? Ah ouais, bonjour, c'est Ouais, vrai. sûrement, j'avais les cheveux longs, une mèche, j'étais un connard Oh, quoi. tour prochain, je fais cavalcade patron, et chaque tour, c'est pouf 3, ou Pan! 4, pouf Pan, pouf. pan, 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 pan. Ouais, Jumper, faut avoir 15 ans. Mais en vrai, il était tellement bien, quoi. En gros, le plus gros event en GP à flop, il y a un seul mec qui s'est présenté pour participer. Il a été couronné vainqueur par défaut. Si c'est vrai, c'est incroyable, Kawa. Il a fait un bon call, cela dit, ouais. Le malaise, quoi. Il a Bah, dit j'y vais, c'est je suis pas bon. pire que notre collègue qui a pris tous les passes pour jouer Commander. Il s'est rendu compte en arrivant que c'était du Commander C'était le Multi. commandeur multi. Et il se prenait des forges de son brassier, tous mes artefacts sont indestructibles, il a juste rage quit et il a bah, payé 90 balles de passe pour rien. Il a récupéré une dizaine de boosters, je crois. Ce qui était Bah déjà ouais. bien généreux. C'est horrible quoi. Commander Multi. Arrêtez, c'est un jeu de société, les gars. Bah en fait, pour le fun, c'est très cool. Oui. Mais en mode on fait des Il y a tournois, une on gagne des compétition, lots, voilà, il y non. a quelque chose à gagner quoi. Stop. Ah, c'est fou. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire de la politique en Commander Multi quand on joue à plusieurs? Bah oui. Oh, ce que tu vas lui mettre avec Brûleur là? Il est pas bien là. Oh. Je t'ai dit, Brûleur, c'est bien. Ouais, là oui, effectivement. Après moi je t'ai dit Steamkin c'est bien, du coup on est sur le compromis. Et pour l'instant, je suis plus content de Brûleur là Donc que de à la Steamkin. game d'avant Steamkin gros, tu la gagnais pas sans Steamkin. Ouais. Oh Ah, quand j'ai même. gagné. Oh sois de bonne foi quand même. Ah, j'ai gagné. T'as pas gagné encore. Ah, si, j'ai gagné. Et non, tu lui mets 12. Ah, si, j'ai gagné, Laval. Attends, je compte mal. Bah je compte mal. Et il me semble que j'ai gagné. Regarde donc. Voilà. Ah oui, ta frappe foudroyante. Non mais je suis con, moi je croyais que t'avais gagné sur le board. Voilà. Eh Bon, au pire, ouais, il était à bon. 1. Il Oui, était non mais pas non plus. pour moi tu le mettais à 1 quoi. CBA. Ça avait fait du bruit à l'époque. Bah GP écoute, j'étais pas au Barcelone courant. 2018. Incroyable. Putain, moi, je pense que je me serais présenté. Tu vois, j'entends ça, je fais attendez! Et Hop hop. j'arrive, j'enlève 2-3 cartes à mon deck. Et je mets juste la légendaire au-dessus, Et tu en vois, mode de tu mon prends juste deck. les lots du deuxième. Voilà. Comme Ouais, ça, c'est on vrai. joue et au pire, ça flop. Bon, c'est pas grave. Je suis deuxième. Je suis vice-champion du monde de Brawl. On était deux, j'ai perdu. Vous aurez le decklist de ce deck de la mort là. Tu l'auras Oui. bientôt, Bolgos StarCraft 2. Sois patient. Sois patient, ça arrive. Je suis en train de mourir de chaud. Oui, moi aussi. Et ça ne fait que Genre, 25 minutes que ce stream a passe le commencé. week-end et ça arrive. Attends, j'ai un Bol truc. go. T'as un truc de type ventilateur? Ah non, type de. J'ouvre la fenêtre. C'est vrai que ça marche bien, hein, généralement, ouvrir la fenêtre. Ouais, elle est bien Y a ta plus main. de cigales à ce moment-là, donc c'est bon. Elle est très très bien ta main. Bah, elles sont assommées par la chaleur, les cigales, de toute façon. Elles sont parties se coucher, Genre, c'est même bon. elles aiment le chaud. Hein. Elles ne sortent que quand il y a du soleil. Oh, elle Rendez-vous est bien compte. maintenant. La cigale sort quand il y a du soleil, bah là, elle reste chez elle, pour vous dire à quel point le Ouais. soleil est Là, véhément, si quoi. elle sort, paf! Instant, C'est fou, hein. elle est morte. Alors là, j'aurais bien aimé avoir autre chose que ces 200 vapeurs. Mais non. Oh, le mec, il veut chier sur mon 100 vapeur, quoi. C'est fou, hein. Mais non, tu veux double 100 vapeur pour faire nimp. Mais vraiment nimp. Allez. Tiens, bah là, Comme ça, t'en voulais t'arranges. même 3, tu vois. Comme ça, t'es bien content Ça, d'avoir c'est 3. bien, Val. C'est bon esprit, ça, ce que tu fais.
Allez, voilà. Et ben voilà, le premier se fait contrer et le deuxième, hop là. Hop là, ça passe. Regarde comme c'est bien, comme c'est le bon play. Il va encore contrer. Voilà, parfait. Très bien. Bah, tu vois ça, si t'avais pas les 100 vapeurs, c'était Cavalcade qui était contré. Oui. Hey! C'est une diversion, le sans-vapeur. Eh, hey, regardez-moi là! Il se fait tirer dessus. C'est bon, vas-y. J'ai vu le Roi Lion. Ah! Ah, t'attendais le stream pour m'en parler, c'est bon ça, les Non, j'ai petits oublié. débriefs. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, juste, est-ce que tu la regardes en français ou pas? Incroyable, la quote nous baisse. Oui, j'ai vu en français. Ah oui, mais toi, t'as pas le souvenir Moi, je du l'ai vieux vu. dessin animé. Mais en fait, finalement, je l'ai vu il y a moins longtemps que toi. Puisque je l'ai C'est-à-dire, vu. ah, tu l'avais revu récemment? Maintenant, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais 20 ans. Au Roi Lion. Ah ouais! Donc finalement, tu vois, je l'ai vu il y a Ah pas si oui, longtemps. d'accord, ok. Donc du coup, est-ce qu'on peut déjà faire mention de la voix de Jean Reno? En fait, Est-ce que ça sera pas j'ai dit trigger à pour ma toi? chérie quand on est sorti de la séance, pour moi, C'est pas Mufasa. c'est pas Mufasa. En fait, c'était juste Jean Reno comme ça. Attendez, je vais prendre une feuille. Vous voyez, je prends une feuille comme ça. Mufasa dans le rôle de Jean Reno. Non, Simba, pas la zone d'ombre. Tu sais, avec les lunettes là, comme ça, et qui lit de loin un peu. Ben oui, c'est Eh ben, ça. c'était C'est pour moi, Mufasa. c'est le plus gros problème du film. Hein. Et je crois pas que c'était Jean Reno dans le dessin animé, non. Ah bah, je t'assure que non. J'en aurais souvenir, je crois. Non, non. Mais sinon, en vrai, le film était juste. C'était Mufasa dans le rôle de Jean Reno, ouais. Sinon, c'était bien. Excusez-moi, j'envoie un M's. Hams. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce deck Kainser? Tu peux choc. Je peux déjà lui proposer un petit choc. Ouais, tu peux poser un petit choc sur Alors, l'escroc. combien tu m'en prends là pour le choc? Non, non, mais le film est bien, c'est juste que si tu connais déjà le dessin animé, tu n'apprends rien. Et le fait que ça soit un film, bah, l'émotion passe un peu moins bien. Donc en vrai, c'est très joli, mais ça raconte pas mieux le Seigneur des Anneaux, le Royaume, quoi. Ça te donne pas une meilleure expérience du Royaume. Si t'as pas vu le Royaume tout court, regarde d'abord le dessin animé et après le film, quoi. Oh là, je les bait. C'est vraiment un truc de fan, entre guillemets, quoi. C'est un truc de fan. Bah vas-y. Ah, toi, tu peux descendre patron, là. Ouais, je vais le faire, je crois. Ah, c'est pas bien, hein, sans vapeur. Hein. Non. Non, c'est de la merde. Dis-le. Dis-le, J'ai c'est pas de la dit c'est merde. mauvais. Dis que c'est de la merde devant ce chat. J'ai pas dit c'est pas bien. J'ai dit c'est moins bien. Du coup, je D'accord. mets un point de dégâts de moins, mais j'ai patron. Ah bah oui. Oh, et Ah, dégage, t'as dégage! la victoire, M'ont surtout. saoulé. Non, c'est qui de Val et Non, on joue Piel et pas. Timon et l'autre Pumba. On joue pas. On joue pas Frénésie. Eh bah dis-nous, selon vous, qui est Timon, qui est Pumba? Choisissez. Moi je sais qu'on est tous les deux Timon et Pumba. Je pense aussi. Je pense qu'on a un peu de l'un. On a un peu de l'un dans l'autre. Ouais. Sans être. Sortez pas ça du contexte. Et par contre, est-ce qu'on est d'accord que Jamel Debbouze, il est partout? Alors, moi j'ai un truc à dire par rapport à ça, parce que je suis d'accord avec Genre, toi, il est il y a partout. sa voix dans tous les trucs en ce Mais je moment. trouve étonnamment, pour me souvenir vraiment de la voix de Timon, parce que je regardais carrément moi les Ouais. Walt Disney dérivés et tout, je trouve Ouais. qu'il l'a bien doublé, Timon. Alors, il est très bien doublé, On est d'accord. Étonnamment même, tu mais par vois. contre, enfin, rien à voir avec la voix d'origine, quoi. T'es sur le play, t'as le crasher. Ouais, Moi ça c'est me clair. parle. Rien à voir avec la voix d'origine. Ouais, mais ça va, il a les mêmes Ah, Jean intonations. Reno, il doublait Mufasa en 94. Mais what the fuck? Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Je vais Mais vérifier. non. Je vais vérifier. Attention avec mon portable cassé, regardez. Ah, Attention, petite boule rouge. regardez, il est bent. Bentphone. C'est pas possible. PL, c'est Pumba 100%. C'est Wiki qui me l'a dit. Alors Attention attends. à ce qu'il dit Wikipédia. Attention à ce que dit Wiki. Mufasa 1992. Qu'est-ce que tu as contre ça, Dinotronic? Tu veux pas qu'on spamme du mono rouge? Et non, c'est pas mono rouge C'est pas mono exactement. rouge, c'est Il y a le mono lol. crash feu de Chandra et les calamités. Et non, on va jouer à autre chose, t'inquiète pas. Le Roi Lion voix française. Mais non, mais Wikipédia, il sort le film de 2019, évidemment. Oh, on trouve pas de nom. Et il double qui Ryan Bensetti Bah, dans le écoute. Roi Lion? Je sais pas. Je sais pas non plus, je viens de l'apprendre. Le Ah, rouen est bah né. sûrement Simba adulte, je suis con. Ah, peut-être. Mais je sais Probablement. pas quelle voix il a. Donc. Je vais voir ça, je vais vous le trouver. Hein. Merci Kazo90 pour le sub. Eh bien, on n'a pas pioché dedans encore, donc on va poser
Un cracheur de brûlure. Et... Mufasa, c'est le nom du dernier roi du Kenya. Tiens, voilà, Wikipédia m'a appris quelque chose. Scar, de l'anglais signifiant cicatrice, sans déconner. Mais non. Non. Mais non. Il est le méchant de l'histoire. Alors, c'est quoi déjà, c'est une adaptation de quoi, Bon, le Roi Lion? C'est Hamlet? Non. Ah bon? C'est un Je sais truc pas du comme tout. ça. Je Petite bêtise, trouve peut-être, mais... pas, mais en tout cas, même si c'était Jean Reno, il avait pas la même voix. Voilà. Jean Reno, il joue lui-même dans le jeu Onimusha 3. Il est inspecteur de... Mais incroyable. Mais tu sais qu'il joue son propre rôle dans des pubs japonaises aussi. Ouais. Ça, c'est trop trop fort. Oui, on la déchandra, Bruji. Ah! Putain, t'as pas trouvé de lande sur. Non, sur éclairer la Ah, piste ni sur d'accord, mon ok. top Putain, j'y deck. étais pas quoi. Alors, il va déjà nous faire des tokens, donc je pense qu'on l'a un peu perdu. Ah, ok, c'est Donc, une je vais essayer de adaptation sans d'Hamlet. vapeur pour faire un truc, Moi, mais. je trouve aussi que le Roi Lion, tu peux, si tu es Ouais, c'est féministe, Hamlet, c'est ça. avoir un problème avec ce film et ce dessin animé. Parce que les Silions qui sont allongés là, qui disent en mode il est méchant, Scar, mais c'est le roi. Bah non, vous vous levez, vous le mettez une grande tarte dans sa gueule, et vous reprenez le pouvoir, tu vois. Mais c'est en mode non, c'est le mal. On faut le mal, hein. Faut que le mal revienne pour lui mettre un safran. Voilà, non, mais c'est en mode puisque c'est le mal, nous ne nous rebifferons pas. Eh bien, si, rebiffez-vous, tu vois. C'était oui, ou aussi, ne serait-ce que démocrate, effectivement, Sigrid. Mais comme la On majorité là retente. était entièrement féminine, moi j'ai ressenti ça en fait pendant tout le film. J'étais là en mode quand j'étais minot, j'ai pas fait gaffe, ça m'a pas trigger, mais T'as là j'étais là gagué. en mode. Les Silions, pourquoi vous cassez pas les... Il est tout rabougri, Scar. Il met pas un pas devant l'autre. Il marche comme ça. Genre, Oh. Sarabi, elle est 10 fois plus forte que Scar. Je suis sur un 1v1. Ah, mais elle ne le sait pas jusqu'à l'avoir testé. Elles y vont assis, celle de Tekla, elle le mange Après, on après. joue Nexus pour 85, quoi. Exactement. Donc du coup, ouais, moi ça m'a un peu trigger, tu vois. Je suis là en mode, vous êtes 6 contre 1, vous laissez faire, quoi. Et Et tu dis rien. la justification, c'est genre, parce que tu es le mal, tu vois. Et Parce comment que c'est c'est... l'héritier. Mais non, mais c'est genre c'est le régime. Non, mais je suis d'accord, mais quand le régime il va tellement mal que tu ne bois plus, tu ne manges plus, et tu n'as plus d'herbe sous tes pieds, On boit? Non, on boit il plus. y a un Bon, moment, allez. genre, M'a demandé l'œuf, lui, tu tu fais quelque chose contre le régime, tu vois. Il est fort ce deck, hein. Ponzi crash. On parle de la place des hyènes, les prolos de la savane. Ben après, les hyènes, elles veulent pas s'intégrer, tu vois, Par contre, donc. les hyènes, je crois que c'était les mêmes voix. Enfin, la même voix pour la. Pour Shenzi? Ouais. Ouais, parce que les autres, non. Shenzi et les autres voix. Mais c'était très bien. C'était Oui. vraiment. C'était des belles hyènes. Oui, après c'est sûr, c'est comme dans la nature justement, bah, c'est toujours le lion qui décide et compagnie, tu vois. Mais bon, comme là les personnages sont humanisés, ça pouvait, tu peux être là en mode, allez, rebiffe, tu vois, rebiffez-vous quoi. Moi Ah, j'avais c'est un, facile de dire ça. On a bien vu que t'étais pas une lionne, Val, au ben milieu de la non, savane. Hein. je suis pas une lionne, bah loin de là, moi je sais pas chasser, tu vois, mais j'aurais voulu quoi. J'aurais voulu être une lionne. Mais non, mais je suis peut-être un idéaliste, pardonnez-moi. Oh putain, ce que tu sors, toi. Pop, pop. Toi, tu dis rien à personne, là. Tac, tu cliques. Scud. Sinon, c'est bien fait. Ouais, c'est très bien fait, quoi. Ouais, C'est c'est très bleu. très En bien. fait, au bout de à peu près 3 secondes, vous oubliez C'est bluffant. que c'est le Roi Lion en mode adapté et tout. C'est juste le Roi Lion ultra HD, quoi. Ouais, par contre, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est pas une adaptation. C'est le Roi Lion, plan par plan. Tu vois. Ouais, mais du coup, enfin, ça me dérange pas. Moi, C'est je très. préfère ça qu'une adaptation un peu ziz Non, bizarre, mais tu vois. j'aurais aimé voir des interactions que j'avais pas eues dans le film. Ouais, des petites scènes en plus. Ouais, un truc bien, tu Ouais, vois. genre les bloopers, tu vois. Les scènes coupées. C'est C'est marrant, j'avais ça. pas vu ce que faisait mon adversaire, et quand j'ai regardé le retour, là, je l'ai vu, j'ai fait... Le saligo. Ah oui, ça m'a demandé de... pour ce terme-là, parce qu'en français, c'est juste une botte de paille, mais en anglais, c'est pas du tout une botte de paille, ce mot. C'est vrai. Oui, j'ai vu Mowgli et c'était pareil, c'était très bien. Est-ce que je vais plus vite qu'il ne va vite? Ça veut rien dire. Bah en vrai il a 60 PEV et toi t'en as 20. Mais toi t'es Blast mètre 4. Déjà, on va mettre ça. On va sous-optimiser, mais au moins on va bloquer des points de Ouais dégâts. tu vas ouais. Ouh, c'est bien ça. Ça, c'est, je suis content de plus l'avoir. C'est pas le même film mais c'est de la merde. Bah, j'ai pas le livre de la jungle en tête, mais moi quand je l'ai vu j'ai trouvé ça ok. Mowgli sur. T'as aimé le livre de la jungle en film? Bah à l'inverse du Roi Lion, j'en attendais rien parce que je me souvenais pas du dessin animé. Donc juste en tant que film, je l'ai bien aimé. Après, si j'avais vu le dessin animé, peut-être que je l'aurais pas trouvé bien. Mais le Roi Lion, vraiment, pour avoir spammé le dessin animé. Peut-être que j'aurais pas trouvé. Non, Il mais est du coup, où? j'avais pas de comparatif. Donc ça me paraissait ok, tu Ouais. vois. T'as pas vu le livre de la jungle? Si, mais j'en ai pas de souvenir. Si. Je l'ai forcément vu parce que je regardais tous les Disney quand j'étais minot, mais. Putain, moi j'en ai vu un quoi. Mais je l'ai vu plein de fois. J'ai C'est. bien vu Mulan quoi. Ah, putain, mais Mulan, moi j'étais déjà presque ado, quoi.
Il t'a 4 ans de plus, hein. Eh ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ah non. Non, pas autant, pas autant, ouais. 3 ans. Mais il était bien, Mulan, je valide. Ah, c'était bon. Bien, Mulan. Est-ce que je fais ça pour aller chercher la Vras, mais du coup je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais sûrement prendre 8. Ou est-ce que je mets ça en espérant qu'il aille dedans? Mais du coup je perds à Chioc. Tu espères vraiment qu'il aille dedans, quoi? Bah, ah, je vais vraiment espérer. Dedans. Ouais, j'espère qu'il aille dedans. Bah, peut-être qu'il se dit, oula, le mec fait, oh putain, il joue ça. Ah donc, non, mais du coup, bon. Pour conclure, tu as trouvé que c'était bon. Un bon film ou pas? Moi j'ai aimé, ouais. Après, oui. J'ai aussi vécu une séance comme jamais je n'avais vécu. Donc déjà j'essaie de plus aller au cinéma sur les séances qui ne sont pas VO ou pas à 22h, tu vois. Ouais. Parce que vraiment les gens qui vont au cinéma, ils ont un respect, ils ont pas de respect. Mais tu sais que moi j'ai jamais ce problème, genre t'as pas de chance, respect. Quoi. C'est ouf, hein. Là, franchement, de tête, hein, je vais te dire, je pense qu'il y a une trentaine de personnes qui se sont levées pendant le film. Pour aller aux toilettes, pour faire ci, pour machin. La personne qui était à ma droite, elle a mangé une salade. Elle a sorti une salade, elle a mangé, et ensuite elle a pris un petit plaid qu'elle a mis sur elle, et elle sortait son téléphone à intervalles réguliers. Genre. Je te jure. Genre insupportable. Je te jure. Alors je suis pas clairement pas de mauvaise foi, mais peut-être que je suis pas attentif à ça. J'ai jamais de problème, mec. Mais tant mieux. Mais va à Liberté, ouais. Hein. Ça change. Et ben moi, je suis allé la dernière fois à Liberté, et c'était problématique, tu vois. Alors, regarde ce qu'il fait, lui, en face. Mais regarde ce qu'il fait, Stimkin. Oui, mais il joue pas qu'à l'amitié. Je sais. Ah, il joue ça aussi. Je sais. On habite à Toulon. Et. Ah, il va dedans, tu vois. Donc je sauve un peu de pev. Ah, non, finalement. Ah, mais là, quoi que tu fasses, tu vivras pas à Frenzy, je pense. Ah, tu lui essaieras, mais. Il faut que je stoppe avec Land. Land. Allô, Land. François Land. Land. Ah, il me tue. Choc. Oh, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin de me tuer. Ah bah voilà, putain. Il y a deux chocs on top, parfait. Ah il est bon, hein. Il y a un enfant, il y avait déjà trois enfants à la rangée quasiment à côté de nous. Il y a une enfant qui n'arrêtait pas, tu sais, les réhausseurs, de l'enlever, de le remettre, de l'enlever, de le remettre, de l'enlever. Donc ça faisait... Mais j'y vois, comme ça. J'y vais tous les mois, j'ai le pass. Pourquoi oui, je tombe pas sur ces gens? Mais je sais pas, mais moi je suis maudit. On s'en refait une parce que lui était méchant. Peut-être que c'est... En fait, quand tu t'en rends pas compte, c'est que c'est toi le genre comme ça. Oui, c'est toi. Mais moi, c'est pas moi. Ah bah, parce qu'en plus, moi, je mange des pop-corn, je sais que ça insupporte certains. Moi, j'en mange pas en plus. J'en mange pas tout le temps. Mais genre, si je vais au ciné vers 19h, c'est l'heure de la fin, tu vois. Oui, tu fais attention. J'essaie de le manger quand il y a du bruit. Tu vois, je fais ça propre. Et il y a un autre enfant, donc qui était sur un réhausseur. Il s'est attrapé les pieds, vous voyez, comme ça. Il s'attrapait les deux pieds et il faisait paf, paf sur son ressort. Mais vraiment, sur les 10 dernières minutes de film, il a fait ça. J'étais fou. Je me suis dit, mais... Bah, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que tu fais, jeune? Genre, incroyable. Et personne ne dit rien. Ben non. En fait, il y avait trois enfants et je pense deux parents qui étaient là. Et les parents, ils étaient comme ça. Chut. Et vous savez que si vous les regardez, les enfants, ils comprennent pas. Ah bah non. Il faut dire stop. Oui. Ah, et j'ai oublié l'enfant qui s'est mis à pleurer. Et le père qui attend deux bonnes minutes avant de sortir l'enfant. Donc deux minutes où l'enfant pleure. Mais ça, c'est parce que à chaque fois, t'as espoir que le gosse s'arrête, tu vois. Oui, mais il ne s'arrête jamais. Et en plus, c'est quand il y a les hyènes. Donc, du coup, elle a dû avoir peur, tu vois. Parce qu'elle était en couche et tout, genre, j'ai envie de dire, elle a rien à faire là. C'est le roi lion, quoi. C'est le roi lion, tu mais. Tu peux te tromper. S'il y a des couches, je pense que ça veut dire qu'elle a 2 ans. Oui, oui. Voilà, franchement, ne l'emmène pas voir. Deux ans, tu te souviendras pas de ce que t'as vu. Voilà. Secret noyé. Et quand il attend genre un quart d'heure en dehors. Et ensuite, il re-rentre. Manque de bol, il avait loupé toute la séquence avec Timon et Pumba, c'est rigolo. Il revient quand il y a Relayen. Ah ouais. Et du coup, il re-rentre et instant, c'est... Du coup, très mauvais bail. Du coup, elle était fou. Du coup, je me suis dit, mais putain. Et après, il n'est plus revenu. Il a dit, non, c'est bon. J'abandonne. Je crois que c'est je pas me barre, quoi. Oh, après, si l'enfant ne pleure pas, regarde le film, il n'y a pas d'âge pour aller au ciné. Hein. Mais franchement, sur un truc qui peut faire peur, etc., entre guillemets, tu vois, genre le passage des hyènes, c'est vrai que ça passe le côté des hyènes, et surtout dans le film par rapport au dessin animé, vu que là c'est quand même des vraies hyènes qui les ont fait vraiment en mode assez méchant, assez agressif. Ouais, ouais. La scène de course-poursuite, entre guillemets, dans le cimetière d'éléphants. Moi je le vois à deux piges. Ouais, tu peux être là en mode. J'en ai des cochons. Genre ils vont tuer le lion, tu vois. Ouais. Ils vont vraiment le téclat. On va aller voir bouffer, quoi. D'ailleurs, l'arrivée de Mufasa est épique. Ouais. Vraiment très très bien. On va se défausser de ça. Tu t'es dit quand même, il est seul, elles sont 50 et il est là en mode je vous prends toutes une par une. Mmh. Y a pas de problème. Venez.
Donc c'était cool. Donc non, ouais, bon film, mais je trouve que voilà, ça apporte rien au support d'origine en fait. C'est ça que je lui reproche, moi. Ça n'apporte rien. Non, mais c'est juste une bonne version HD. Oui, effectivement, on voit que c'était une très mauvaise séance de cinéma, effectivement. Et malgré ça, j'ai apprécié le film. Alors que ça, franchement, des fois, ça me gâche. Ça peut te faire Je pense que sortir du j'ai truc. moins apprécié Avengers Endgame parce que justement, j'avais une famille derrière moi où, bah, imaginez, vous regardez Avengers, vous n'avez jamais vu de Marvel. Et vous n'êtes pas qui vous êtes, tu vois, vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde tranquillement son film, vous êtes quelqu'un qui pose une question dès qu'il ne comprend pas un truc. J'ai vécu cette séance-là avec quelqu'un derrière moi qui mangeait du chocolat dans du papier d'alu et qui, en plus, du coup, posait des questions genre, Le mec, mais c'est le frère de qui? on peut dire que tu as tout. Ah, mais j'avais tout, mais Genre, il a franchement, tout. je me suis dit, mais là, je vais me lever, je vais vraiment l'ouvrir, c'est le type, comme un paquet de chips, et je vais manger des chips comme ça. C'était insupportable. Après, moi, j'ai une tech qui n'est pas une tech, c'est juste que naturellement, je fais comme ça. Moi, je déteste y aller aux horaires de. Genre, tu vois, 19h, je ferai jamais un cinéma à 19h. Et non pas parce que je vais tomber sur des gens chiants, des enfants et tout. C'est parce que moi, j'aime pas aller au cinéma quand j'ai pas mangé. Je vais toujours au cinéma après manger. Donc, toutes les Ouais. séances que je fais, c'est 21h, 21h30, Ouais, tu vois ce que je te 22h. disais, genre c'est les séances que j'essaie de Et c'est privilégier parce peut-être pour que. ça que j'ai pas ces problèmes-là. Parce que je pense qu'à ces horaires-là, t'as pas de gosse. En fait, t'as pas d'enfant, donc déjà, Bah t'as ouais. beaucoup moins de risques, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, ça marche pour 85. Bah je pense que ce serait pas mal si griffe, mais il faut vraiment sniper. Il y a tellement de decks dans la méta que tu risques de te prendre des decks qui vont t'éclater. Du coup, c'est compliqué. C'est ça, nous, c'est Golgari. 10h, 22h, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, moi, Cruelle naturellement, malédiction. autre que de vouloir esquiver les gens, vraiment, je n'y vais pas. Je peux, moi, un cinéma à 18h, je te dis non, tu vois. Genre, non, je vais avoir, pendant tout le film, je vais avoir la dalle, c'est hors de question, quoi. J'ai un corps qui ne me permet pas d'avoir de réserve et il faut que je mange à heure fixe, tu vois. Donc, c'est pas possible. Fais un film de ton expérience ciné. Qu'on mettra au cinéma, à 15h, heure du goûter. Enlève Cry of Carnarvon. Oui, c'est vrai que ça sert à rien. Tout à l'heure, j'ai défaussé ça parce que c'était pas. Ah oh, merde, ça arrive engagé. Mur des pensées ou perspicacité du chimiste. Ah, t'as pas Ça, c'est bien d'interaction pour avec le tuer en Bolas, quoi. fait. Je me luit. Je crois que je vais draw 2 tranquillou. Ok. Essayer d'aller chercher une solution. Parce que le problème, c'est que là, j'ai rien à reprendre d'intéressant avec l'aide de perspicacité. Je pense qu'il me tue trop lentement. Ça, c'est Grixis, c'est vraiment le deck que je vais rencontrer, quoi. Et merci Il a pris beaucoup son à différent, super. YKRZ qui offre des Merci subs énormément. à Tommy Jacques, Big Bugman, Man, Jacob Bronski, Srakel Barbar et Bloody92i. Bloody92, 92i plutôt. qui doit Merci venir du énormément. 92 du coup. 23, 23 abonnements de la part d'YKRZ. Ça fait extrêmement plaisir, Voilà, ça. 5 personnes de plus qui viennent d'allumer leur étincelle et devenir donc du coup des Planeswalkers. Et ça, c'est cool. Ah mais souvent quand vous dites aux gens de se taire, etc., ils respectent parce qu'ils savent. En fait, ils se disent, ah, enfin ils n'avaient pas conscience, peut-être Genre en ils se mode, c'est disent, vrai que je suis en ah j'ai train de péter les gêné. couilles, ouais. Moi ça m'est déjà arrivé, il y avait trois mecs devant moi encore une fois qui arrêtaient pas de parler et tout. Non, j'aurais dit, oh, stop quoi. Et il n'y avait pas de réponse, c'était juste, désolé quoi, ils Et sont le mec, il arrêtés. se retourne, il dit Octogone maintenant. Ouais. Il dit, ah ouais, 1v1. Tu dis sniper Sur deux dust, double porte. Sniper M16. Non, non. On va renvoyer ça dans sa main. Et tu vas gagner en fait, hein. Et on va gagner. Ça fait quoi de transplaner? Alors c'est pas trop mal, mais faut faire attention, c'est comme dans Harry Potter, si tu transplanes mal, tu peux arriver avec un membre en moins. Bah en fait, ton membre arrive ailleurs. Bon, c'est C'est le ça le problème. problème. Bah c'est surtout en Je le fait, tue ou qu'importe où pas? il arrive, s'il est pas sur toi, c'est un problème. Ouais. Là, je vais lui meuler 8 encore. Bah t'as gagné avec Ashok là, tu peux prendre Ashok avec ça? Non, c'est que éphémère au rituel. Mais du coup, je vais prendre mépris son petit Comment ils rang. appellent ça dans Harry Potter, le fait de transplaner là comme ça et de s'arracher des membres? Ça a un nom. Ah, je sais plus. Quanti, c'est pas transplaner, c'est. Dites-nous dans le chat si vous savez. C'est pas transmembre machin. Non mais Ah, désarticulation. ça c'est la désarticulation, mais comment s'appelle le fait de transplaner dans Harry Potter? Ça s'appelle transplaner aussi? Ah, ça s'appelle transplaner, je crois. T'es sûr? Ouais. Ok. Il se La chevauche. désarticulation, je trouve ça incroyable. Et bien joué. Ah, il a compris ce qui allait se GG! passer. Ah, une victoire de Mule. Ok, c'est transplaner, bon bah super. Poudre de cheminette. Poudre de cheminette, c'est un peu pareil en vrai. Ah, par contre, il m'est arrivé encore un truc au ciné.
Je suis allé voir Toy Story 4. Incroyable. J'ai jamais vu Toy Story. C'était trop bien. C'est fou quand même de jamais avoir vu Toy Story. J'ai eu une enfance avec peu de cassettes. J'en reviens pas quoi. Oh, Scorpion Death Drop. On dirait un nom de métal. C'est ce que c'est un Death Drop? Non. C'est un truc, je crois, inventé par des drag queens où tu tombes comme ça, comme si tu t'éclatais, mais c'est contrôlé. Genre, c'est fait exprès et ça fait pas mal. Ah, ok, d'accord. Probablement. Gardez cette carte. Oui, donc je vais voir Toy Story 4 qui était trop bien. Oh, non, plutôt ouais, la porte. La porte. J'ai une enfance difficile. Non, ça va. Non, juste que j'ai pas vu beaucoup de Disney ni de Pixar. Et on était 4 dans la salle, voilà. Donc il y avait moi et ma copine et un autre couple complètement à l'opposé. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, c'est quand on était déçus, on était en mode, on voulait faire le succès, genre de regarder une séance de cinéma avec personne. Vous vouliez faire le genre zizi. Vraiment, où tu peux faire eh oh! Et tu vois, on s'en fout, il y a personne. On voulait faire le, j'avais une suite en tête, mais. Eh non, on voulait pas faire ça. Non, on voulait vraiment voir Toy Story. D'accord. Donc pas faire ça. Oh, un petit effacement des pensées. Et donc le film se passe bien et tout. On respecte la séance, on parle pas, enfin personne parle, c'est très bien. On enlève trophée. Ouais, parce que ça, je m'en fous. Bah ouais. Et je veux un cinquième land pour ça. Pardon. Donc c'est bien. Pas cher. Et à la fin, on regarde un petit peu le générique pour voir les voix de tous les persos, etc. Et il y avait Jamel Debbouze, encore une fois. Il est partout. Qui jouait le petit poussin, justement, très important. Qui joue le petit poussin. Excusez-moi, je dois être extrêmement concentré. Voilà, faut que j'humeule 4. C'est bon. Qui joue donc le petit poussin. Et quand on sort, on voit que le mec, il nous regarde un peu en mode comme s'il voulait nous demander un truc. Mais j'ai pas pensé que c'était un abonné ou quoi, tu vois. Je me suis dit, bah, je sais ah, pas. Ah, donc tu viens de teaser, c'est un abonné. Non, non. Ah. Et c'est pas un abonné du tout. Et on sort, et à la double porte, en fait, il nous attend. Et il fait, excuse-moi, le petit poussin. Et il s'arrête là. Donc je pensais qu'il m'avait appelé le petit poussin sur le coup. Je fais, écoute, on n'est pas assez proche, mais ça ne me dérange pas. Il me dit, il avait pas trop la voix de Jamel Debbouze. Et je lui dis, bah si, c'était la voix de Jamel Debbouze. Il me dit, ah ok, c'est pour ça. Et voilà. Sur le fait que vous soyez que deux dans la salle, vous avez forcément un lien. Il peut il se permettre. Ouais, il peut il se permettre dit, de. Oh, écoute, on était quatre dans la salle. De t'accoster très naturellement, voilà. Quoi. Mais c'était très drôle. Comment t'as fait pour lui répondre de manière très classique, en mode, oui, bah oui. Bah, t'es stun. T'as envie de lui dire en mode, t'es génie, t'es excuse-moi. Génie, toi. Ah, excuse-moi, le petit poussin. Il avait un peu la voix comme ça, là, tu vois. Excuse-moi le petit poussin, il avait pas trop la voix de Jamel Debbouze. Est-ce que t'as été bon un coup avec lui après? Je lui ai dit gros, viens. T'es dans mon équipe. Viens. On va faire un tour de débat. J'aime ton univers. J'aime ton univers. Tu m'as emmené dans ton monde. Incroyable. Ah vraiment ce qui s'est passé c'était fou. Limite tu dois te sentir un peu genre en mode oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer. Il va se dire par contre vous avez soufflé un peu fort d'une un moment. Plus jamais. Oh, c'est fou. On va. Mais ouais, franchement, va au ciné avec une GoPro. Ouais, la prochaine fois. Je quand tu vas au ciné. Mais je pense que ça n'arriverait plus du coup. Eh oui, si tu cherches le truc, ça n'arrive pas. J'aime que ça pique. J'aime le piment des pinottes. Oula. J'aime que c'est cru, quand c'est congelé. En fait, j'ai tout le temps fait. J'aime que c'est cru. J'aime que c'est cuit. Faites-les bien chier. Prenez bien le temps. Faites-les bien chier. Ça a l'air d'être bien dans la méta meule. Bah, Ashiok contre ça, c'est très fort. Ah, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Non, je le trouve pas là, Ashiok, mais je vais le trouver un jour. Ouais, ça reste quand même ok, Jacob Bronski, même si on cherche pas l'automeule. Hein. Alors, je vais bloquer comme ça, et je vais pouvoir protéger mon Jace, et je bouncerai ça après. Oh, il est bien quoi. Oh, il est bien. La reconstruction, et là, c'est parti, les gars. La patient rebuilding. Exactement. C'est la grève de votre vie. J'adore. Oui, parce qu'en fait, ça me permet de meule 2, piocher une carte, et en fait, c'est un sac à PV. Donc, dans ce deck là. Parce qu'aussi, ah oui, bon maintenant ça n'existe plus, mais à l'époque où je jouais ça, il y avait, comment il s'appelait Phoenix Dark. Et Phoenix Dark, je comprends pas pourquoi si, ça vous avez, plus, si vous n'avez pas Ashiok, vous ne pouvez pas le meuler, parce que sinon vous lui trouvez ses Phoenix et vous perdez. Donc en fait, Jace, c'était un moyen de me meuler moi, et d'avoir une condition de victoire quand même. Ouais, je bloque, mais en vrai j'aurais pu juste laisser passer, parce qu'il ne le tuait pas. Oui, c'est vrai. Et c'est assez agréable de jouer un deck qui s'en fout de ça. Ouais, qu'ils s'en foutent, qu'ils en foutent. Il y a un moment quand même. T'inquiète. Où, si tu l'as pas tué, ça va être dur quoi. T'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Moi je joue des brasses. Il y a point S. Non, non, il y a juste pas pas de problème. Stress. Il y a point S. Alors je mets un secret noyé déjà.
Le type est en sueur. J'aurais dû plus un d'abord. Vous pourriez jouer Spark Double. On pourrait, mais je pense que ça rentre pas forcément dans le plan de jeu. Non, c'est un peu lent parce que du coup, c'est vraiment pas Jace le truc. Et Ashiok, le problème c'est qu'il joue sur creuser le monde main deck. Hein. Ouais. On va jouer ça du coup. Ouais, et on va se permettre de jouer ça. Et comme ça, tu chumblock ça. Ouais, si je vais chumblock comme ça. Vas-y. Parce qu'il a pas d'anti-bet pour ça normalement. Volume les 6. On est bien là. Hein. Pas c'est bien. Ah, c'est bien. Et comme ça, vous pouvez regarder la déclise de votre adversaire et lui voler son deck. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? On voit Scape Shift, mais en vrai. Sultai Scape Shift, encore une fois. Ouais, on voit jamais Scape Shift en fait. Ah, mais je pense que les mecs jouent Sultai LM avec Champ des Morts. Mais ouais. Ils jouent pas Scape Shift. Ouais. Ah bah, du coup, c'est bon. J'ai vraiment rien à craindre. J'attends l'extension qu'avec des blaireaux. Le blaireau chargeur. Incroyable carte démocratisée par Magic Sechik d'ailleurs. Ouais. Chaque extension, j'ai la frise de regarder les cartes rampes. C'est une terrible existence de vouloir. Bah, en ce moment, t'es plutôt servi. Les cartes meules. Ah, les cartes meules. Parce que les cartes rampes, en ce moment, c'est plutôt cool quoi. Bah, il y a une carte sur deux verte qui rampe déjà. Voilà. Bah, un archétype sur deux. Tu sais que les decks combo qu'on joue sont des decks rampes. Ce sont pas vraiment des decks combo actuellement. Ah, si, la trophée de l'assassin. Je le mets en jeu engagé ou pas? Non. Oh, parfait. Mais du coup, il me tuera pas Jace. Parce que je vais pouvoir me briser mon tyran. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Du coup, je disais, en gros, on joue pas l'archétype combo dans ce standard. On joue que des archétypes rampes. Et du coup, c'est rigolo, mais en même temps, on sait pas vraiment ce que c'est qu'un vrai deck combo, quoi. Pour l'instant. Pour ceux qui ne jouent qu'à Arena. Ah, il me met 7 points. Mépris. Ah, bah, Osef. Ouais, je vais quand même renvoyer. Je vais économiser des points de vie. Il peut pas le rejouer. Tu as le Meul 2 en plus. Meul 2 est-ce que tu trouves Ashiok, t'as gagné, je crois. Non Ashiok. Ah non, t'as gagné. Non, mais bon, je peux tu faire mets les 2 plus. Ah si, avec ça, j'ai gagné, je 2 crois. 2 plus 4. Que je vais me les. 1, 2. Oula, ouais, franchement, ça peut aller vite. Hein. Je me le bien. Allez, des pilantes, comme ça, je pioche des cartes. Scape Shift, ça compte pas comme du combo. Bah oui, sauf que c'est un deck ramp en fait. C'est pas un deck combo. C'est un deck ramp qui est buildé de manière à ce que quand tu casses Scape Shift, tu gagnes. Mais un vrai deck combo, je vous invite à aller voir les decks en moderne, c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun deck en standard qui est strictement un deck combo. C'est tout le temps un deck ramp qui a une condition de victoire à la clé. How to climb the ladder 1.0. Weave auto-meule. Play. Non, mule. Mule. Ah, Téchar. Téchar, c'est un vrai deck combo, Sigriff. Effectivement, mais Téchar, il n'existe plus, on va être très honnête. Bon, il a existé un moment, il a fait caca. Oui, voilà. Et ensuite, il s'est pris un tir de M20 comme ça. Ou même de War of the Spark. Je pense qu'il s'est pris un tir tout court. Il s'est pris un choc. Il s'est pris un tir de tu n'es pas Matnas, tu ne sauras pas piloter correctement ce deck-là. Ouais. Voilà. En fait, c'est le bon deck entre les mains des mauvaises personnes. Voilà, exactement. Ouais, oh, je vais garder ça. Ouais, j'aime bien avoir un drop 2, mais bon. Est-ce que je peux faire la fine bouche? Il faudrait vraiment jouer Tempête 2000 ans, et ou sinon on pourrait jouer Full Burn. Tu te souviens de Full Burn? Full Burn. On pourrait toujours jouer Full Burn en vrai. Oui, mais je sais pas. Ah voilà. Pourquoi on n'a pas rebuildé Full Burn depuis? Peut-être que dans ce méta c'est fort. Il manque des trucs, non? Il manque quoi? Ah, je sais pas. Bon. Ouais, c'était la méta d'avant, c'était pas Guide de Ravnica, je crois. Donc forcément, il va manquer des trucs. Et franchement, je vois pas là ce qui nous manquerait pour faire la combo. C'était Mirari Conjecture. Alors ça jouait le truc qui doublait en Kaladesh, mais nous on peut doubler avec enfin je sais plus comment ça s'appelle là, le spell qui double pour deux rouges et frappe foudroyante et c'est létal quoi. Enfin en gros t'es pas obligé de jouer la version de Kaladesh, c'est ça que je veux dire quoi. Ouais, je vais lui enlever le truc quand même. Non mais en fait tu pouvais pas te prendre frénésie, il y a que frénésie que tu veux absolument sortir. Bah là du coup oui tu peux enlever crash feu mais. Il y a 9 points de dégâts dans la main, le monsieur. Hein. Oui. Ouais, je m'attendais à un vrai mono-red, en fait. Vu qu'il joue Viachino, pour moi, il jouait pas du tout. Après, Viachino, ça trigger le Grâche-feu. Ouais, mais c'est comme ça, toutes les cartes rouges le trigger, de toute façon. Tu vois, ça joue pas la Varoneur non plus. Donc, il y a une version. Je pense qu'en fait, c'est la version mono-red, juste avec les coureurs. Voilà. Donc, c'est la version qui a gagné le Star City Game Worcester. Ok. Star City Game. Oula, ouais, carrément Noansen. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de decks justement qui jouent Champ des Morts en 2-3 exemplaires dans leur decklist, quand bien même ils jouent pas Scape Shift, juste pour faire de la value en late game.
Bon, un stand envie qui est très bien trouvé. Ah, ça fait plaisir. Trouve c'est un top réponse contre ce genre de match-up. Hop là, là on annule sa phase d'attaque. Bon, il va quand même nous mettre 3. Ouais, c'est t'es à 5 quoi. Même pas, t'es à 3. Non, je suis à 5. Ouais, mais tu vas être à 3 le tour d'après. S'il attaque avec pyromancien pour l'instant, t'as pas de quoi le gérer. Tu pourras juste le bloc avec voleur quoi. Ah, c'est ce que je vais faire. Hein. Ouais, je sais bien. C'est bien dommage. Oh, tu es talentueux. Parfait. Quand même. C'est dingue. Hein. Après, ils sont là pour ça. Hein. Ah bah oui, mais il faut les piocher. Je vais le jouer de suite. Parce que si jamais il pioche un. Ah, mais non, il avait assez de mana. Non, là. Tu risques rien. J'ai réfléchi avec le ça. Mais en fait, il avait 4 mana. Bon, ok, je pouvais pas tuer sa cible de toute façon. Ça, c'est relou. Bah, c'est bon. Ah, c'est le talent, ça, quand même. Hein. Bah, je vais le tuer de suite. Mais tu peux à chaque fois laisser passer et non, je te. T'en fous, hein. T'as mis le tour. Bon, tu vas en le fait, tuer à la fin. C'est l'habitude mais... aussi de BabyTef, même si à chaque fois en vidéo, on l'oublie. Ouais. Et en coup, vrai, quand c'est... on joue sérieusement, on l'oublie pas. Donc, est-ce qu'il peut piocher un ensemble de land maintenant, tous les tours? Sur la 46, tu vas mettre du temps à le tuer quand même. Ouais, il faudrait juste qu'il me laisse un tour vide que je puisse développer un truc. Il laisse pas le après, tour t'as vide double top decké et une interaction. Ouais, ah, là, je peux pas jouer ça. J'ai joué Jace. Ouais. En espérant que ça fasse tampon, mais ça fera pas tampon. Ouh, je suis content d'y avoir enlevé ça. Enchaîner les top decks, c'est fort. Et écoute, des fois ça suffit pas, hein, quand bien il même. Il y avait un land, dommage. Un voleur de sanité, ça sert à rien. Enfin, ça bloquera. J'ai enlevé des interactions en plus, je crois. T'as enlevé des interactions? Ah non, j'ai mis les mépris. J'ai enlevé les réduits à néant, j'ai mis ça parce que ça me l'est. Oh, bah t'as une gestion. J'ai une gestion, on va quand même piocher. T'as une digestion d'abord. Même. Et lui, il a trouvé un land, mais bon, il est à 2. Enfin, tu es à 2. C'est pas lui. On est à 2. Ah ouais, je dois faire ça. S'il nous laisse un tour tranquille, on peut faire lien de perspicacité pour reprendre le spell qui fait gagner 2 PV. Mais bon. Ça serait bien. Il y a des mépris de Vraska dans le deck? Je crois que j'en ai un ou deux, ouais. C'est une bonne carte. Je les ai laissés. Non, Chisama, ne les appelle pas. Oh, Chisama l'a appelé, il a dit choc, c'est pareil. Eh ben, c'est pas grave. Franchement, t'auras fait quand même de la belle magie, je trouve, avec ouais. Ce deck molle. Et je vais te laisser la main. Ouais, tu vas me laisser la petite pause et après la petite main. Oh, je vais d'abord aller ouvrir mon booster. Ouvre ton petit booster, là. Qu'est-ce que tu voudrais dans ce petit booster? Avant de cliquer, dis-moi. Une rare wildcard. Bah, je joue le jeu. Et qu'est-ce que tu voudrais autre? Genre là, est-ce qu'il y a une carte qui te... comme ça, en mode... Wow. Cavalier d'épines. Je crois qu'il m'en manque. Eh ben, tu vas avoir un cavalier de la souffrance. Kétis avec un H après le T. Cool. C'est une bonne carte. Je suis assez content d'avoir une mythique. Bon, c'est bien. Et pas la bonne, non. Hey. Oh, il est bien, Kétis. On trouvera des decks à faire avec ça. Juste, je vous montre, pour ceux qui se demandent comment vendre les Land Full Art, il faut payer. Il faut mettre des sous. Voilà. Mais en vrai, si vous payez, ça, c'est pas mal aussi. Quoi. Ouais, je préfère les Land Full Art. Pourquoi ils pouvaient pas faire ça? Mais comme ça. Genre pour plus cher, tu sais. Pour 3000? Ouais, ouais. Moi, je paye 3000 hein, pour ça. Non. Tu payes? Pour ça, comme ça, oui. Ah ouais? Oh, moi, je paye pas. Je paye pas, j'attends que Wizard nous les offre. Wizard, si vous regardez ce stream, je sais que peut-être certaines personnes de Wizard... Non, 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 pas savoir. Oups. Offrez-nous les cosmétiques, c'est de la pub pour vous, vous comprenez? C'est bien de faire ça. Eh oui, c'est bien, mon Dieu. Donnez-nous les... des nouveaux bundles. Non, c'est toujours ceux-là. Non, alors, on nous dit, on est d'accord qu'elle est moche. Qu'elle est moche, Mouyangling sur le dos de carte, mais pas du tout, elle est magnifique. Oh, elle est jolie. Oh, le Yin, il est énervé. Ouais. Oh, elle se paye en gold. Ouais. Oh, je vais l'acheter. Eh ben, achète là. Pigeon. Hashtag Yankly. Ah, c'est pas cher, un dos de carte en vrai. Hein. Putain, je vais jamais dans la boutique, mais je suis le pire. Il faut que j'aille voir la boutique mais des oui. fois. Style de carte, il y en a des nouveaux. Oh, le Yin, les. Est-ce que tu dirais que tu t'en cagues? Ah, je m'en cague bien. Ouais. Tiens, okay. Je vais m'acheter les 3 Planeswalkers là. Et non, faut parcourir les styles de cartes. Waouh. C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Et bien, écoutez, c'est la fin de ce stream. Pas du tout. Pas du tout. On va aller acheter un max de consommables. Non, de cosmétiques. De consommables. On va aussi aller chercher un bois. On va aller chercher des consommables. Voilà. On va mettre des mini-potes. Petite pour ceux pause, 2-3 minutes. On se retrouve tout de suite après. C'est Val qui aura la souris. Pour faire un petit peu de ladder avec des decks bizarres là, vous savez ce qu'il fait. Voilà, c'est pas fun, c'est sérieux. Généralement, on met des forêts, des Nissa et peut-être des Ides si tout va bien. Voilà. Et ensuite, on voit, il y a de la place pour du rouge. Ah, j'aime bien le rouge.
Allez, venez. Guide d'un avatar Sephora, mais si c'est pas une Planeswalker, c'est vrai qu'un avatar Sephora serait très joli. Hop, la petite pub, on se retrouve en 3 minutes, à tout de suite. Hop là, et pour ceux qui ne voyaient pas la pub, des bisous, plein d'amour. À tout de suite. À tout de suite. Et non, c'est pas ça. Et Rebonjour, on va partir sur un petit peu de ladder. Qu'est-ce que tu nous prépares? Hydra rampe? Hydra rampe. Très bien. Hydra comme les méchants dans Avengers. Pas du tout. C'est parce qu'il y a beaucoup d'Hydra. Les méchants dans Captain America. Dans Captain America, Avengers, c'est pareil. C'est Avengers, c'est Captain America déguisé. Hein. Bah, c'est Captain America et ses copains. Ouais, voilà. Un peu, quelque part. C'est Captain America. C'est Captain America. Et Iron Man et leurs copains. C'est les vacances de Captain America, tu vois. C'est un peu Martine à la plage et tout. Bah là, les Avengers, c'est Captain America à la plage, quoi. Ouais, c'est vrai. Captain America en Sokovie, quoi. C'est bien ça. Moi, j'aime bien, moi. Ça te parle, hein? Bah voilà. C'est comme ça qu'on garde une main. Tu vois, faut juste appuyer là, bien véhément. Ah, nickel, nous, bah si t'as pas eu peur, c'est très bien. Et en plus, on a un drop de quai dessus. J'ai une liste Plume Boros. Alors je vais mis les deux listes Tézine que je joue de plumes sur le Discord de la Spark TV. Oui, en plus on a fait un stream duo sur plume, et toi après tu as streamé en solo sur le deck. Exactement. Donc si tu regardes le stream de la semaine dernière, je crois, ou de début de cette semaine,
Non, début de la semaine dernière. La semaine dernière, il y a de la VOD sur Plume. Voilà, il y a 4 heures de gameplay, je crois, sur Plume. Merci beaucoup, la Mafia 66. Merci beaucoup. Forteresse ou forêt, ouais. Je sais pas ce qu'il joue, donc on va d'abord récif. Elle fait le taf, l'hydre. Elle fait tellement le taf. Des fois, je la joue, elle est 12-13. Et mon adversaire, il concède. Il n'y a plus d'interaction maintenant, c'est fini. C'est rigolo. Juste drôle. Et alors, en plus, moi, ce que j'adore, j'expliquais, c'est que c'est une carte que tu décides très facilement. Et moi, j'adore savoir quoi décider. Ouais, moi aussi. Et en fait, tu sais. Comme quand tu joues des Vras Main Deck. Tu sais quand ça dégage, tu vois. Genre ça, lui, il sait qu'il peut décider ça dans certains matchs. Tiens, regarde ce que je lui dis. Ah, bah, désolé. Pas désolé. Oh, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Sur une fontaine. Non, pour de la rapide. Ouais, comme ça, je garde de blanc. Admettons. Parce que t'avais encore une forteresse à la main. C'est vrai. Whisky, l'hydre qui challenge Galta, exactement. Alors la liste du Mjöl, on l'a mis sur le Discord plusieurs fois, mais je peux la remettre, Clovis Bis, parce qu'à mon avis, tu vas devoir remonter loin. Lui, il est drôle, lui, mais au vu de ses couleurs, tu vois, lui, je vais lui faire la plus grosse hydre de tous les temps, par exemple. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux faire une hydre 16-16. Je vais pas me priver. Vas-y. Ah, je vais perdre 2 mana, je vais la faire 14-14 et je vais lui mettre 6. Ouais, c'est pas mal. À le faire. On va pas se la jouer star. Ça fait du bien de boire de la bonne eau fraîche. Tu peux juste jouer ton hydre. Ah mais comme ça, moi je sais combien je dois payer. Pourquoi ça m'a enlevé des manas? En gros, je la fais x égale 6, c'est ça? Normalement, oui. Et non, je peux pas payer. Annulé. On a bien 8 manas, on est d'accord? Oui. Bah donc du coup, je la fais x égale 6. Plaît-il? Il faut que tu cliques sur tes manas. Ah non, payer. Bah ouais. Payer. Bah franchement, je joue en bas. Ouais, je crois que ça a bugué. Ça ne fait jamais ça. Non, c'est ça a bugué parce que t'as, t'as des manas bleus qui se barraient. Oui, non, c'est vraiment, normalement, ça paye tout à fait naturellement. Alors. Ah, peut-être qu'ils sont sur MTG Top 8, mais avec plumes. Mais je saurais pas vous dire dans quel. Dans quel tournoi, malheureusement. Plume, il y a dans tous les tournois, même au GP Denver, ouais, Naya, il y a... Mais Naya, je sais pas où. Ah, je sais pas. C'est rigolo, hein, Hydrovorace. Ouais. T'aurais pu faire double Boons, j'ai gagné. Oui, bah on allait le faire. Mais il a concédé avant. Il était pas sympa. Et c'est bon, meilleur fort, ce deck, hein. Moi, j'aime bien les decks bantes. C'est trop bien. C'est juste trop, trop bien. Qu'est-ce qu'on veut contre lui? Peut-être les adjointes, ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'interactions dinosaures. Les Vras peut-être. Fin des concernantes, ça attrape pas grand chose en vrai. Hein. Non, il y a beaucoup de trucs. D'abord, ce que j'enlève. Ouais, je crois qu'il faut pas sider grand chose. En vrai, on a déjà un max de solutions contre lui, quoi. Oui. Tu n'as pas de verre. Si, si, Jean-Michel Coul, j'ai deux verres. T'inquiète pas. C'est vraiment le jeu qui a. C'est le jeu qui a bugué. Je suis d'accord que ça vaut pas Sultai et Jund, mais je préfère. Ça vaut pas Esper ni Sultai ni Jund. Alors, dans l'archétype de couleurs, hein. Oui, mais ce deck-là, il vaut tous les Sultai, Esper et Jund du standard. Esper, j'ai tellement été. J'ai tellement trouvé ça pas beau les derniers decks Esper que j'avoue que il a baissé un peu dans mon estime. Mais bon, en vrai, Bant, c'est genre. C'est noble. Je kiffe pas Bant, mais tu peux pas trouver ça moche. Tu sais, c'est un peu. Le mec moyen partout, tu vois. C'est très cool, Bant, quoi. Regarde-moi ça. Moi j'aime bien l'association, ce qu'elle fait. Oui, carrément, mais c'est genre, c'est rarement la tricolorité préférée de quelqu'un, je trouve. Ça dépend s'il a joué des révis aux bonnes heures. Ouais, il l'aura pas joué longtemps. Même s'il l'a joué, il l'a pas joué assez longtemps pour kiffer, je pense. Je trouve que ça a dû être banni en un mois, je crois. Non. À des révis, un mois. Un mois Un mois. Bah, ça a remporté le Mox et le BOM, pardon, et banni quoi. Je dis peut-être des bêtises, on corrigera dans le chat si. Ça m'a l'air rapide, hein, moi, quand même. Ah, ça a été instant. Tu sais, ils ont débanni Flash Hulk, ils l'ont tout rebanni une semaine plus tard. Que le comité. Oui, non, mais ça, c'était une bêtise. Mais ah, pas de bassin d'élevage. Ah, oui, oui, effectivement, on n'a rien à jouer. Tu vas faire Rafale des Terres, bah, je sais pas. En c'est vrai, Rafale, ils arrivent pas ce tour-là, ce tour d'après. Genre, là, je prends Ripjo Raptor, là. Il faut qu'il ait de vert. Il faut qu'il ait de vert, mais bon, il joue Dino. Après, il n'est pas allé chercher son vert, donc. Soit il l'a pas. Je vais prendre de risque. Ça me coûte rien. Ok. Et au moins on est prémunis. Bah ça te coûte 2 points de vie au tour d'après. Peut-être. Peut-être. Ça ne coûtera pas 2 points de vie.
Quand t'as toujours pas de blanc, faudrait qu'on le trouve sur récif maintenant. Troll, il est bon. Il est bon. Bah oui. Il m'énerve comme il est bon. C'est dingue, hein. Mais c'est ce deck-là qui est bon. C'est pas moi, hein. C'est le deck. Bah ouais, ok. Est-ce que tu pourrais te reculer un petit peu? Parce que je vois que tu brilles fort du front avec... Je brille du front. C'est pas grave, ça. Ok. Tiens, d'ailleurs, petit message. Désolé pour la vidéo qui risque de sortir mercredi. Parce qu'il y a eu un problème encore de micro. On fait tous les tests à chaque fois d'enregistrer pour éviter qu'il y en ait. Malheureusement, le micro, c'est, enfin le câble, c'est un petit peu déconnecté juste avant d'enregistrer la vidéo, alors qu'on venait de faire deux tests d'affilée. Et du coup, pas de bol. Il y aura des petits... Bon, après, on n'a pas trouvé ça très gênant. Je pense que c'est plus gênant quand vous écoutez avec un casque ou des écouteurs. Mais sur des haut-parleurs, ça va. Par contre, la vidéo de lundi et du vendredi, normalement, aucun problème. What? Pourquoi il joue ça, lui? Quel vilain, quoi! Je sais pas. Après, ça fait pas grand chose là, contre toi. Ça lui fait deux cartes par tour, juste pour ça, ça m'embête, quoi. Ça, c'est fort, mais. Hop là, ça dégage. Comment je gère ça, moi? Je peux adjoindre dessus? Ouais, je peux adjoindre dessus, je vais adjoindre dessus, Justin. Oui, vas-y. Ouais, je vais adjoindre dessus. C'est vraiment trop relou, quoi. Et tu bassin d'élevage? Ah, t'aurais pu crasis à 4. Je pourrais lui faire le tour d'après. Ah, je crois que je paye encore des pèvres. Pour faire. Ah, t'es fait épuisant. Ouais. En vrai, là, je suis dans un setup où je vais commencer à crasis tous les tours. Enfin, pendant deux tours, plus les autres que je risque de trouver. Je suis pas trop au point de vie près, quoi. Si au contraire, je contrôle un peu le board et tout, que je m'offre d'autres plays intéressants, ça vaut le coup, tu vois. Là, je peux même bounce mon récif le tour d'après, le rejouer. Mais, faut qu'on teste bébé branche si c'est effectivement le câble. Ou si c'est la connectique du micro, parce que si c'est la connectique du micro qui fatigue et qui tient mal, entre guillemets, bah ça ne servira à rien malheureusement de racheter un câble. Donc faudra qu'on ait un autre câble pour tester la semaine prochaine. Et si effectivement avec l'autre câble ça marche bien, ça veut dire qu'il faut juste changer de câble, il n'y a pas de problème. Si par contre c'est le micro qui fatigue... Pourquoi ça me propose de payer à chaque fois? C'est une mage, c'est pas possible. Ouais, je pense. Ah bah okay. Attends, mais... Bah non, je te laisse finir. On n'est pas en full contrôle. Hein. Non, mais c'est pas le full contrôle. Va dans jeu. Engagement automatique. Afficher les phases. Non, ma foi. Ah non. Ok. Je ne sais pas. Donc, ouais, voilà. Ce que je disais, c'est que. Oh, il récupère Soleil Immortel. Ah, mais c'est légendaire, on s'en fout. Ouais. Ce que je disais, c'est que. Si vous avez. Enfin, si il s'avère que c'est le câble pour le micro. Il n'y a pas de problème, ce sera rapidement commandé. Si à l'inverse, c'est le micro, là, il faudra changer de micro et c'est un peu plus compliqué. Il est 8-7 et moi, je fais une 6-6, donc ça suffit pas. Non, ça n'exile pas, le soleil revient à abandon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ok. Ça ne suffit pas, il faudra faire une plus grosse crasis. C'est bien, ça. C'est pas mal, ça suffit pas non plus. Il va falloir qu'on accepte de prendre 8 et qu'il nous tue pas avec des scellements. Bah sinon tu fais juste crasis et tu feras un somme de la gloire énorme tour d'après. Je peux pas, il fait toujours pas à 10. Donc du coup il sera pas assez énorme. Et crasis, j'aimerais bien la faire. Il met combien? Il met 4 atouts. Il le met au joueur ou pas? Non, à n'importe quelle cible. Ou alors 4 atouts si. Donc du coup il va tuer tous tes anges quand même avec le summum. C'est pareil. Oui bien sûr, mais moi ce que je veux c'est faire une crasis à 8 qui challenge son tyran le tour d'après. Ok. C'est d'accord. Juste que là, si il trouve une bête qui fait trigger des scellements, j'ai perdu. D'accord. Et si tu fais un summum pour tempo? Si je fais un summum pour tempo, s'il trouve une bête à 7, on a quand même perdu. Mais si. Mais non, t'as pas perdu, il te met 4 et tu double bloques le tyran. Bah, sauf s'il trouve une bête à 7, puisqu'il va mettre 4 à tout le monde. Sauf une bête. Ouais, mais dans tous les cas, s'il trouve une bête à 7, c'est fini. Donc, donc là, s'il trouve une bête à 4, on vit avec ça. Mais non, mais même s'il trouve une bête à 4, t'es pas mort. Voilà. Là actuellement, il te met 4 face. Ouais. T'es à 7, tu double bloques son tyran, tu prends que 6. Ah bah c'est bon alors. Nickel. Tu trouves 2 bêtes à 4, on est mort. Ouf. Il a trouvé un autre tyran. Bon bah. En même temps, franchement, c'était horrible. Je l'ai pris Soleil Immortel, il a fait pour OK Soleil Immortel, OK, et tyran du carnage. Super okay. Bien pioché, ouais. Tyran du carnage. Bon bah. GG mec, trop fort. A perdu.
Est-ce qu'en sachant ça, on a envie de faire autre chose? Je crois pas. On peut pas lui contrer les tyrans du carnage. On voit que Tu ça, peux c'est vraiment nul. negate ses soleils immortels, mais bon. Ça vaut, ouais, ça paraît pas être worth. Je pense qu'il faut juste acter qu'il n'est pas censé faire ces sorties-là Ouais. et qu'en vrai, nous, on pourrait faire une très grosse hydre qui challenge n'importe laquelle de ces 8 têtes, quoi. Ok, on va commencer. Notre main est bien. Est-ce que votre main est bien? Elle est très bien. Faudrait un petit land, si jamais on se fait gérer le druide sans feuille. Oh, il n'a pas l'air d'être dans une optique de gestion, notre adversaire. Il est plus en mode, je vais t'imposer des choses, ça va être très très gros et il va falloir que tu te battes avec ça. Forêt. Ton prochain, tu peux faire Teferi. Ouh, D'ailleurs, c'est des grosses, vous avez pas relevé, hein, grosses mais gorgées, ça. Ah, j'ai pas vu, donc t'étais allé acheter. on a récupéré. Ok, il rampe. J'ai pas d'intérêt, je pense que je vais juste Teferi ici. Ouais, tu t'es fait. Pourquoi t'as payé 2 points de vie? Ah, t'es obligé. J'étais obligé. Ah oui, ça fait que du vert, le druide s'en fait. Ah, ça serait vraiment complètement pété sinon. Alors vraiment genre une druidesse du paradis très très forte. Ouais. Mais bon, vu que t'as la druidesse d'incubation, entrave sur Teferi. Pas très grave. Pas trop grave, non. Tu vas adjoindre Ego. Je sais pas si j'adjoins de ça. Ça, je me tâte. C'est pas forcément. En vrai, Tu veux je peux faire une vivre hydre sans. 6-6 sinon? Là, je peux pas non plus. Ah, je Ici? peux avec ça, ouais. 4, 5, 6. Elle sera 6-7. Ça 6-7, challenge pas mal tous ces bodies, ouais. Peut-être que ça vaut le coup, mais en vrai, j'aimerais bien juste fight une bête, quoi. Mais si je fight une bête, elle sera 3-4. Si je veux fight ça le tour d'après, je ferai Hydre 3-4. ah, disons, Est-ce que là, c'est on bien? arrive sur les tours où ça va être gros ce qu'il va jouer. Hein. Il va pas jouer des raptors en maraude. Enfin, il va pas jouer tout Ouais, ça, mais je veux dire. 6-7, c'est nul en fait. Ça va juste trade avec son carnage En tyran, fait, quoi. à part son carnage tyran, tu as un meilleur body que tout. Non, sinon tu fais juste druide sans feuille et moi je ferais adjoint druide sans feuille. Voilà, John, je vais garder pour un truc plus chiant, quoi. T'as raison, je vais faire un body Mais énorme. après, TF, ça te permet de bouncer. C'est bête, hein. Hop là. Non, mais 6-7, c'est le bon play. Parce que le problème, c'est que s'il gère adjointe et que derrière il peut de nouveau entrave d'Ixalan, et vu qu'il joue des dessalements arcane, c'est ce qui va se passer, ça va être l'enfer. Ça va vraiment être l'enfer. Là, ça va. Si on trouve un land, on peut faire Krasis. On est pas trop mal là pour l'instant. Super, on a trouvé un land. Je crois qu'on va rester en bloc, c'est pas notre jeu d'attaquer. Puis faut aller chercher. Ça me trigger que ça me propose à chaque fois, j'ai l'impression Je sais d'avoir pas fait une connerie pourquoi. dans mes manas. Alors que pas du tout, hein. Ouais, je pense que c'est une mise à jour et maintenant t'es obligé de faire comme ça. C'est vraiment étonnant. Ça doit éviter tous les trucs de oh merde, ça a mal tapé et tout. J'attends un collection draft en BO3. C'est vrai qu'on l'a jamais fait en BO3. Oui, Et c'est vrai. ben probablement. Il a tout lui, hein. Ok. Allez, viens là. Que tu nous enquiquines là. Avec tes soleils immortels. Bonne soirée, Nachoum. Bonne soirée à toi. On va juste passer en vol. Bon, garde pour bloquer la 6-7. Il est Bah plus en mode normalement si. enfancé. Si, normalement vous pouvez la trouver. Hein. Bah des fois il est un petit peu capricieux. C'est ça qu'il faut que j'exile. Absolument. En vrai, on voudrait des bindings pour des jeux comme ça, mais ça n'existe pas, donc on n'a pas envie de mettre des cartes dans le side pour des decks qui n'existent pas, quoi. Parce que Je ça, joue plus vraiment, de land. ce qui fait, ça n'existe pas. Hein. Paye avec un druide sans feuille. Ça change Pourquoi? rien. Oui. Pour lui faire croire que t'avais un truc en main. Quoique, tu peux toujours avoir un truc en main avec druide sans feuille. Attaque avec la 1-3. Ouais, comme ça, je lui rends soleil immortel. C'était le play. Ajoute-toi du challenge un peu. Tu sais pas vivre, voilà. Ah bah là j'essaye de gagner surtout. Mais what? Mais franchement les séquences de draw qu'a ce mec, c'est quoi son deck quoi? Il est fort. Ah c'est fou, Après, il challenge toujours pas ta 6-7, quoi. c'est billevesant quoi. Enfin, il a challenge avec le tyran, mais. Là il a challenge au tyran mais du coup ça va. Bah, tu vas lui donner sa piète? Bon je vais lui donner mon hydre. Hein. Bah. Je sais pas, parce qu'après, il va t'attaquer avec des trucs que tu peux pas bloquer, donc vaut mieux lui donner une 0-3 là. Qui sert à rien.
Ou sinon je prends 7, hein. Je lui donne même pas 0,3. Ouais, tu peux prendre 7. Parce que comme ça sur Hydre, au moins j'ai masse mana. Hein. Le truc c'est que s'il retrouve des Salmons de Sarkhan, il te rase tout. Donc lui donner ce qui meurt. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'on a 10, 2, 4, 6, 8, 9. Pas du tout. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Donc on va juste attaquer, faire summum et passer le tour. Et s'il a pas de race, c'est bon. Ouais. Bah, il faut qu'il ait dans la main exactement. Non, décellement plus une race, c'est impossible. Donc on est bon. Oui. Tout pile. Je savais pas que ça mettait. Ça met quand même les deux anges. C'est fou, hein. On me l'a joué, j'ai dit bah non. On me l'a joué en physique. Et j'ai pris la carte, je l'ai lu, j'ai fait ah si, c'est les deux. C'est fou. Ok. Il était vraiment bizarre son deck, ou alors c'est vraiment qu'il top deckait à chaque fois des cartes incroyablement puissantes, je trouve. Il avait une séquence de play à chaque fois qui était d'une véhémence certaine. Non, mais il y avait les deux, je pense. Que son deck était bien? Tu considères que son deck était bien? Non, t'as dit son deck était bizarre. Son deck était bizarre. Ok, d'accord. Donc moi je pense que c'était les deux. Ok, allez, on est reparti. Bonne value pour 12. Ça joue un boons de masse dans ce deck. On joue pas de boons de masse, mais tu peux prendre en compte que adjoint ça fait office de boons de masse contre Scapeshift en fait, et t'as juste besoin de ça quoi. Assurant. Ça win le new band 30. Ouais, franchement, Kuza, c'est assez énorme comme deck. Hein. Tu sais pas ton win rate par hasard avec le deck? J'ai perdu une seule game depuis que je joue le paquet. C'était contre Venezia hier qui jouait band Scapeshift. Ah oui, pas mal. Donc, là, c'est ta première game ouais. Que tu viens de faire. Donc c'est vraiment extrêmement fort, je trouve. Venezia, il jouait quoi? Il jouait band Scapeshift. Ah, tu viens de me dire, excuse-moi. Donc ouais, le paquet est vraiment, vraiment très très fort. Après, j'ai pas farmé le ladder du tout avec, hein. Mais c'est cool, quoi. Genre, tu sens quand un paquet est bon... Ah merde, je me suis trompé de land, c'était la Fortress. Merde. Moi, j'étais en train de parler, j'ai fait de la merde. Tu sens quand un paquet, il répond, tu vois. Il a du répondant, il fait ce que t'as envie qu'il fasse, ouais. Tu vois. T'as pas besoin de faire 1000 games pour savoir. Ça, c'est bien pensé, bien monté, quoi. Il en a sous le coude, le machin. Ah bah dommage, il va m'enlever mon récif. Non, c'est pas que j'aimais pas Esper Hero, Esper Planeswalker, Nubes, c'est que pour moi, Esper, c'est vraiment genre la carte charme d'Esper, tu vois. Je suis étonné. C'est plein de belles magies, plein de trucs contrôle, mais vraiment des contrôles, Esper. Avec un kill, genre une 5-5 vol, défense talismanique, vous voyez, ce genre de truc. Et là, ça n'a rien à voir, je trouve, avec ce que ça fait d'habitude. Mais ça reste un très bon deck, hein. Enfin, un des meilleurs decks d'ailleurs. Mais en termes de ce que j'aime jouer, etc., je me retrouvais pas trop là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, comme le dit Corbihan, pour revenir sur Band, c'est extrêmement stable comme deck. Et c'est très plaisant d'avoir des decks très stables où tu vas tout le temps faire les mêmes sorties. T'as pas trop à te soucier de la variance. Et généralement, quand tu perds, t'as perdu pour ton niveau de jeu et pas parce que ton deck t'a explosé dans les mains, quoi. Et moi, ça, j'aime bien. Mais c'est un avantage aussi que à Esper Hero, Esper Planeswalker, même si pour le coup j'ai pas du tout tryhardé ces versions là quoi. Je vais pas prendre de PEV et je vais juste tout commit à fond quoi. Ah, c'est commit à fond le gars quoi. Vas-y, prends le trade. T'as 9 mana. Ça va vite. Hein. Ça va assez vite. On trouve une hydre et on le s'attelle. Et à plein de moments de la game, t'es là en mode on trouve un power play, on le s'attelle. Ouais, Nissa là, tu fais un summum de la gloire aussi sympathique. Yes. Tu as un chiffre qui apparaît, le peps, et qui te permet de savoir à combien tu en es d'être le meilleur joueur sur le ladder. Donc quand tu es à 100%, en fait, par exemple, tu es 1100, ça veut dire qu'il y a 1100 personnes au-dessus de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Belle hydre à 8. Belle île en mer. En plus, je pense que les paquets rampes me le rendent bien parce que dès que j'appelle une carte, franchement, je la touche quoi. Ouais. Par contre, ça c'est de la merde. Ouais, c'est genre, merde. Je suis en train de dire que le paquet est bien. Bosquet elf. Soyez sympathique quoi. Tour prochain, tu vas faire un summum gigantesque. Un summum, ouais. Immense, ouais. Le plus grand de tous les summums. Alors, c'est vraiment très fort comme deck, je trouve. Alors, ça doit avoir des match-ups mauvais, hein. C'est évident, tu vois, normal quoi, mais. Je trouve que les mécaniques sont cool, sont ok. Ben, en fait, Tidix, ça c'est vrai quand ça dépend où tu joues. C'est relou. Si ça. Tu joues. Tu peux toujours faire solo, mais du coup, s'il n'y a pas de droit, c'est perdu. 10, 12. Eh ben 13, tiens. Ouais, tu peux, hein. Tu feras un ange et un. On va en faire une de plus, quoi.
Oui, je te disais, TEDx, ça dépend l'environnement que tu joues. Si tu joues que sur Magic Arena, c'est sûr que, et tout seul, enfin, tu joues pas contre des potes, etc. Tu vas beaucoup jouer de decks, enfin, tu vas être amené à jouer des decks assez forts, entre guillemets, ou alors construits par rapport à la méta, parce que ton plaisir, ça va être de gagner. Alors que si tu joues contre des potes, j'ai des collègues qui font ça, qui jouent entre eux sur Magic Arena, même s'ils jouent un petit peu sur le ladder pour faire leur quête, etc. Et eux, du coup, ils ont plein de decks avec des noms complètement débiles. Et ils se demandent, genre, chacun, vas-y, je joue quoi? Et avec par rapport au nom du deck, le mec dit, vas-y, toi, tu vas jouer ça, etc. Et ensuite, ils s'affrontent, ils se rixent avec des decks. Ils avaient un deck tribal sanglier, pour vous dire à quel point c'est. C'est incroyable. À quel point c'est. À quel point c'est. Donc, à quel point c'est fun. Donc voilà, si jamais tu joues par exemple comme ça sur Magic Arena ou tu joues dans une boutique avec des collègues, des petits tournois comme ça, franchement tu peux très bien jouer fun, t'amuser, etc. Mais si tu consommes Magic uniquement sur le ladder Magic Arena, tu peux pas jouer des decks, c'est sûr qu'ils sont pas très forts entre guillemets parce que ils vont se faire bah, éclater C'est le par la méta quoi. côté, quand tu es sur le ladder, t'es que là pour gagner et t'es moins là pour prendre ton plaisir et En tester fait, les ton cartes, fun quoi. ça va être vraiment de gagner parce que C'est ça. t'as que ça. C'est ton but en C'est fait et très dur, c'est ce que je retrouve atteindre ton pas. but. Ce que je retrouve pas dans Magic Arena, c'est les parties où tu fais une belle game contre ton adversaire. Dans boutique, par exemple, t'as rigolé et tout, même si c'est un tournoi et que tu peux être un peu salé d'avoir perdu. Tu dis putain, c'était quand même une belle game et tout, voilà. Sur Magic Arena. Tu peux l'avoir en format tournoi, mais c'est le ladder qui t'enlève ce fun-là, je trouve. Mais tu peux avoir des games incroyables. Moi, j'ai eu des Bah, games incroyables je sur Magic pense Arena. que même sur. Enfin, si sur Magic Arena en format tournoi. Tu vas quand même être salé de perdre. T'as pas ton adversaire, t'as pas de Ça, je suis dialogue, rien. d'accord. T'es juste en C'est mode pas j'ai du perdu, je suis social, tout seul. mais sur Enfin. le gameplay pur, je parle. Le fait que ça soit un format ladder qu'on consomme très vite, on se souvient pas trop des gameplays qu'on joue. Mais par exemple, la game que je jouais contre Esper Hero au truc Red Bull, genre. J'ai encore cette game en tête, j'ai été la revoir Oui. parce qu'elle était incroyable. Il y avait une dimension tournoi et tout. Et tu peux avoir ces moments-là, mais effectivement, le ladder récompense pas ces moments-là, quoi. Ouais, bah Tu c'est sûr. En vas pas te fait. souvenir Tu des games. t'arrêtes et tu prends plus de temps à la réflexion sur des games à enjeu. Donc forcément, C'est tu t'en ça. rappelles mieux et ça reste cool, mais ça reste très différent d'une game Ouais, et puis c'est très rare papier, quoi. aussi. Tu fais pas beaucoup de games en jeu, En quoi. plus. Mais c'est sûr, avoir la sensation du papier, c'est pas possible sur Arena, mais. C'est logique dans un sens. Oui, t'as fait tour Endurance. Eh ouais, c'est Et il va coquin t'en ça. faire une parce qu'il t'a enlevé Nissa. Ah bah non, il pouvait t'enlever que Nissa, je suis bête. Ouais. Bah on va quand même essayer de s'offrir récif tour 2, même si il faut que je top deck. Mais c'est pas grave. Ouais, tente. Bon, ouais. Hein. Ce serait bête de se priver. Mais oui, c'est vrai que tu perds le côté carton. Et moi qui vais jouer à Dragon Ball Super Card Game et qui n'existe qu'en format carton, c'est vrai que j'ai un vrai plaisir de jouer IRL, d'avoir des cartes en main. Ouais. Je ne peux que vous rejoindre sur ça, quoi. Mais je Bah, trouve que tant tu pis. arrives quand même à avoir des games iconiques Ouais, sur mais Arena. franchement, comparé. Enfin, si tu divises le nombre de games iconiques, comme tu dis, par rapport au nombre de games C'est parce jouées. qu'on en joue un milliard de fois plus. Il est ridicule alors Ah mais que. c'est aussi du fait que IRL, tu joues 3 games. Genre, tu vas en boutique, tu as fait 4 parties. Nous, on peut jouer 15 games par jour sur Arena. Oui, mais c'est ce que je dis. Oh C'est oui, genre bien sûr. que tu fais tellement de games en fait que Que tu oublies le peu celles de qui sont games bonnes. que tu peux avoir et tout, bah finalement tu fais pas trop gaffe. Alors que justement en boutique avec des amis, comme tu joues beaucoup moins de games, bah tu apprécies beaucoup plus les games, Bien tu sûr. les Non savoures, mais ce que je veux dire etc. c'est qu'un mec peut consommer Arena comme il le consomme IRL et lancer juste 2-3 games par soir. Et prendre autant de plaisir et jouer seulement avec ses potes. Tu peux aussi duel tes Oui, potes. mais il faut faire un truc spécial. Tu vois, en fait, si tu joues à Magic dans la vraie vie, tu vas forcément jouer avec tes potes ou dans un tournoi, tu vois. Oui. Alors que Magic Arena, bah, t'as le ladder, t'as le clic, enfin, tu peux cliquer sur jouer, ça te trouve un adversaire, et du coup, c'est trop bien pour ça, parce que tu peux jouer n'importe quand et jouer beaucoup plus à Magic, Putain, je mais trouve pas c'est moins grand. bien pour le côté trop bien, quoi. Côté communautaire, je rencontre des gens et tout, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre consommation et le format ladder qui rend le jeu un petit peu, où toutes les games deviennent un petit peu oubliables, mais tu peux le consommer, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous on ladderise, mais tu peux le consommer en mode, bah, je lance deux games, deux, trois games contre mes 3-4 potos en Discord les soirs, et tu auras à peu près les mêmes sensations, Ouais. je pense aussi, tu vois. C'est juste que ça t'invite pas à faire ça, Magic Arena. Ça te donne pas forcément l'envie de, quoi. Alors là, j'ai plusieurs options. Je peux adjoindre son récif. Je peux décider de druide et de pouvoir proc mon propre récif. Ça m'a l'air bien ça. Et je peux Teferi pour bouncer son récif aussi. Tu lui offres un autre trigger. Moi, je préférerais adjoindre le sien. Comme tu veux, moi j'aurais fait druide sans feuille pour rattraper le retard que t'as eu à pas trouver tes landes.
Ouais, mais lui aussi, il a mis Island une fois, je crois. Ouais, mais t'as plein de cartes en main. Donc, du coup, si tu Ah, réussis mais à. c'est que s'il fait beaucoup de magie sur son récit, je vais regretter, quoi. Telle est la question. Comme tu Je veux. crois que c'est comme Steamkin, on gère à vue si on peut gérer à vue. Ok. Bon. Ouais, du coup, on gérera pas à vue. Une belle 1-3. Hop. Je pense que ça, dès que tu peux avoir de la gestion sur ça, tu le laisses pas. Qui va, quoi? Ouais, instantanément. Ok, Nissa, anime bien tes landes, comme ça je pourrais désinfecter. Ouais, pas de problème. Alors là, on a trouvé nos manas. On peut faire Teferi, je gounce ça. C'est pas fifou. Il va falloir faire une désinfection à un moment, mais il va falloir que ça soit plus worse pour nous que pour notre adversaire. Parce que là, je peux aussi juste Nissa de mon côté, mais si j'anime des landes, ça me donne pas envie de désinfecter, quoi. Moi je ferais toi, je ferais Nissa, Moi, je ferai Nissa, plus j'anime un 1, land, je tape. non, plus 1 sur rien. Si, parce que je pourrais renvoyer le land dans ma main avec désinfection. Et lui, ça va Ah l'obliger à créer mais des ton landes. play c'est de pas d'envoyer le... ça c'est d'envoyer adjointe. Bon bah il a negate. S'il a tout. Et ouais sur désinfection tu vas envoyer adjointe pour justement enlever Nissa. Oui, mais si ça m'op... Enfin, si c'est vraiment Nissa plus 1, je fais pas de land, le mec sait et ne se recommittera pas. Et fera pas de land le tour d'après. Ah mais c'est pas grave parce que si du coup lui il passe son tour à rien faire, toi ton prochain, ton play il aurait été de faire désinfection temporelle, je garde ma Nissa, hop, je remets adjoint parce que j'ai assez de mana, tape Nissa. Sealand. Oula. En fait là tu la gères pas dans le tour, Bah trop non. tard. Ah, je la gère pas dans le tour, mais là. Ouais, Bon il a tout. Ah parce qu'il y avait ok. aussi druide Teferi qui te permettait de gagner du temps. Ouais, mais là, je pense qu'il fallait la gérer maintenant, récupérer adjointe, lui laisser juste faire un token. Et du coup, si on le gérait après, il avait plus que deux landes, tu vois. Ouais. Donc, moi, le tour d'après, je faisais adjointe Teferi, il avait deux landes et pas de Nissa. Donc, ça allait, quoi. Pas d'attaque et on a perdu cette game. Bon, on a perdu sur double negate, hein, pour le coup. Et c'est marrant, on dirait qu'il a. Ah, c'est à deux, j'ai dit, on dirait qu'il a sidé la game. Ah oui, bah il a bien bien sidé Il a la bien game. sidé, il a bien touché. Bah, je crois qu'il a Il a touché touché ses tout son 4 cartes de side, side là. voilà. Donc ça a suffi quoi. Je suis obligé de donner deux cartes. Bon, je reste mais on a perdu cette game. Hein. Je vais juste regarder ce que je pioche. Je peux retrouver une Vraas en fait qui nous fait vivre, mais. Mais même pas. Ok. Tu peux pas summum? Tu Si mets je 3 pouvais, tokens, tu gagnes un tour. summon pour faire full block, mais en fait je suis tellement derrière quoi. Je suis à 3 PV. Ouais. Servait à rien quoi. Par contre, je me demande si moi il faut pas que je rentre aussi des negates pour le coup. Bah, qu'est-ce que tu pouvais cibler là? Ouais, tu pouvais contrer Problème son negate. c'est que je pouvais avoir Teferi sur table et lui ses negates elles faisaient rien, tu vois donc. Ouais. Bah, profite que toi tu peux l'avoir et lui non. Du coup, comme ça, t'as negate et Teferi. Ouais, fin déconcertante, je suis obligé de garder. Rome carcérale c'est trop bien. Adjointe c'est quand même très ok. C'est difficile de vouloir cut là, franchement j'ai rien que j'ai envie de cut. Hein. Peut-être Hydre. Fin déconcertante, tu touches quoi? Beaucoup de trucs? Bah récif. Ouais, Récif bon. et tous ses accélérateurs. Tu préfères pas contrer Nissa ou des contres? Ah bah j'ai envie de lui enlever tous ses accélérateurs. À la base. Enfin, c'est les plants de side dans Bantramp de base, hein, initiaux. Qui sont juste à adapter avec le Bantramp actuel quoi. Je pense que je vais enlever les Hydres, qui sont pas forcément incroyables là. Ouais, ils En vont, fait, c'est pas tu très bien. matches pas une bonne carte, tu vas juste matcher plein d'accélérateurs pour un peu trop cher. Fin déconcertante fera la même chose. Et ça sera pas une carte complètement ingérable pour lui si jamais on la met en marqueur. Rafale des terres, je crois. Tu pouvais le rentrer aussi, Je non? pouvais le rentrer, mais je savais pas quoi sortir. Mais je pouvais le rentrer juste pour Nissa si jamais j'arrivais pas à la contrer. Nissa, récif aussi. C'est le top ça. C'est bien ça. Après Là, pour tu vois, Récif c'est le même problème, c'est genre. que s'il est déjà sur table, tu le redonnes un trigger quoi. Là, t'es, c'est le dernier match d'un tournoi. Quatrième ronde. Ouais. Tu ouvres cette main. T'es Il y content. a un partout. Tu te dis. Bon, celle-là, je vais la jouer de game, quoi. Ah tu vas la jouer fort ouais. Yo, Dawadas 43, À ça va chaque combien et fois toi? lui Ah, je n'ai plus d'eau. il a son side, hein, c'est dingue. Hein. La fin déconcertante, c'est. Ah non, peut-être la Nissa plutôt. Ah non, Oh mais la fin fin. déconcertante. Le récif.
Il se doute, s'il a pas beaucoup de mana en main et que son tour 2 c'était un druide sans feuille, il est là en mode je veux pas me prendre fin déconcertante sur mon mana d'orc quoi. Là on a trouvé des bonnes cartes nous. Ok, écoute, on est extrêmement bien. Pourquoi ça me laisse pas là, a priori? Ok. On va juste Temple. Ouais, on est en train de le satel là, je pense. Du fait qu'il fasse une bonne sortie. Enfin. En fait, non, c'est nous qui faisons une très bonne sortie. Lui, il fait sa sortie classique. Il a fait contrainte. C'est juste qu'il a pas d'accélérateur tour 2, en fait. Donc, s'il avait pas d'accélérateur tour 2, c'est très bizarre d'avoir enlevé fin déconcertante. Je trouve. Il a 10 figures là. C'est bizarre. Tu peux jouer elf, mais tu peux pas passer en phase d'attaque. Ça a bugué, je crois. Il essaie de jouer elf. What? Ah, mais je quitte. Ah, bah, il y a un bug du jeu. Je ne quitterai pas Asuran, hein, je te le dis. J'ai pas pu attaquer. 2 points de dégâts de moins. Yes, merci Magic Arena. Cool. Du coup, on disait Magic Arena, jeu papier. Après, jeu papier, tu peux juste oublier tes triggers aussi. Mais, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, joue la forteresse. Mais what? Je peux pas passer en phase d'attaque. C'est dingue. Rendez-vous compte. Et lui, contrer. Voilà, tranquillou. Ah, et là, je peux attaquer. Ok. C'est bon. Il fallait qu'il contre d'abord. Il fallait qu'il me contre une carte. Mec, ça n'avait aucun sens, quoi. Comment va? Ouais, il va casser notre récif émergent. Mais nous, on a une belle hydre. Ouais. Une belle hydre en mer. Oh, on a une mieux belle qu'une... Mise, est-ce qu'on a un intérêt à lui faire croire à Mystique à Jabot? Probablement. On peut lui faire croire à Mystique à Jabot? Je suis en train de faire... Oui, on peut lui faire croire avec le land que j'ai en main. Forteresse, il faut que tu payes Fontaine. Faut que ça soit temple, ouais. Faut que ce soit ça et que je paye Fontaine. Parce que si je prenais ça, je pouvais pas faire de vert. En fait, il y a un lag de ouf. Vas-y, pose Fontaine Sacrée. Ah, mais je peux pas attaquer quoi. Si, tu peux attaquer. Là, le jeu m'interdit d'attaquer. Et là, je veux lui faire croire que j'ai un mystique à Jabot, mais. Mais what the fuck, mais c'est fou! Ça m'est jamais arrivé! J'espère que c'est pas le bug du chat encore qui est en train d'être utilisé, mais. Bah, je le verrai s'il appuyait dessus, non? Normalement, ouais. Et là, je fais passer le tour du coup. Fais juste passer le tour, clique rapidement, genre deux fois. Ah bah non. Bon, bah. Ok, super. Écoute, merci Magic, génial! On va perdre ce match tranquillou, bilou. Bah en vrai même pas mais enfin c'est sûr si je peux si jamais attaquer je vais le perdre, mais si je peux attaquer un tour sur deux c'est jouable. Tu peux attaquer que quand c'est de la merde. Ouais, mais c'était exactement ça en plus. Ouais, du coup si quelqu'un de vos TC passe par là, ben n'hésitez pas à, faut faire à régler ça parce ce problème. Qu'est-ce qu'il fait, quoi. Tu sais, genre ça arrive une fois, ok, mais là c'est toute ma game qui est buggée, quoi. Ah, c'est un handicap, j'ai un handicap, je peux attaquer qu'un tour sur deux. Tu dois jouer avec les mains dans le dos. Bah c'est con parce que ça me fait baisser le win rate de ce deck et j'aurais kiffé. Ouais, mais ça compte pas. Genre qu'il soit full invaincu, tu sais. Regarde ça, il fait ça et là c'est à toi de répondre et tu peux rien faire. Ouais, je vais prendre le mana, voir ce que ça change. Mais il le sait lui que la game elle est complètement full buggée ou il me prend juste pour un mec qui attaque jamais? Je sais pas du tout. Bah vu qu'il a l'air de jouer normalement, je pense que c'est juste toi qui bug. Le problème c'est que là si on déco reco, ça risque de pas nous reconnecter à la game, ça va nous compter comme si on avait abandonné. Ouais. Donc plutôt chiant. 4, 5, 6, 7, 8, j'ai pas d'intérêt du coup à lander. Même le serveur bug, mais ça tu vois, ça c'est les en fait comme on stream le jeudi, on est juste après les mages. Ouais. Et ça après les mages, ça pas bon. Ça pardonne pas quoi. C'est belle carte ça. Ah, regarde, elle a bloqué la 6. Mais what the fuck, putain. Ils en ont fait un carré. Et ils ont passé la carte. Ils ont compacté, quoi. Mec, j'hallucine, quoi. Genre, mais c'est fou. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont ce problème-là? Il te prend pour un peintre. Carré hydroïde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Et le mec se bat, hein, comme un diable. Ouais. Contre un mec qui peut pas jouer au maximum. Il est très moche, Yarok. On dirait le démon Gorgon, mais maigre. Démon Gorgon! Exactement. Ils disent tout le temps ça. Je regarde en VO et. Ah ouais, je regarde en VO.
Ils en vrai, j'aurai tout en VO, mais je sais pas pourquoi ça. J'ai vu l'épisode 1 en VF et du coup, merde. Eh ouais, J'étais ok, parti. mais je comprends, t'as les voix et tout. Bah du coup en VO ils sont toujours là en mode Démogorgon. T'es en mode oui En parce français, c'est le démogorgon. que. Beaucoup Moi moins je de peux peps. attaquer! Attention. Yes! C'est bon, ça passe. Regarde, compte la qualité de l'hydre que je vais faire le tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ça. Elle va être 12, 12. Et il peut pas me la défausser, hein. Elle est bien au chaud ici, elle peut pas être à un meilleur 12-12. endroit. VF Burk. Je passe directement dans la main phase 1 fin de tour. C'est un jeu assez quali. On est sur le meilleur jeu. Le pire, c'est que j'ai essayé de le défendre tout à l'heure. Eh non, eh non, c'est de la merde quand ça fait ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, Veux-tu 6, pas attaquer? 7, 8. Regarde, attends. Tu peux attaquer, attaque d'abord. J'attaque d'abord? Oui. Tu C'est vrai que as mis si, ça ou si. pas? Oui, si on me propose, j'attaque. Tu as raison. Moi j'aurais mis 6 moi. Ça te rogne. T'inquiète. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 11, 12, 13, 14. Eh ben c'est bien. Moi je trouve que ça c'est bien, tu vois. Je pense que piocher 6, quelque part, ça fait autant gagner. Il y a 4 bonnes cartes. D'ailleurs, en vrai, si on avait joué correctement cette game, on serait resté up pour negate. Mais j'ai préféré mal jouer. Du coup, tu pioches pas Nissa et ça change rien. Et ça changeait rien du tout. Bon, voilà, on peut quand même gagner avec un handicap, c'est le meilleur deck. Est-ce qu'on peut acter que c'est le meilleur deck? Quelque part. Alors là, t'avais l'étal si tu tuais pas Nissa. Mais t'inquiète. Je m'inquiète pas. Je souligne. Mais là, on a encore l'étal, là, en fait. Parce que là, je vais faire Roam Carcéral, Baby Teph. Si ça Ah gagne ouais. juste payer correctement. Tu vas faire Nissa, Baby Teph, Roam Carcéral. Ok. Et ça Si tu va. peux attaquer. Ah si on avait pu attaquer, on aurait déjà Ah, gagné. c'est vrai! C'est vrai! Si on peut attaquer. Mais si on avait pu attaquer plus tôt, on avait déjà gagné, je crois. Parce que tu aurais mis au moins 3, et du coup il serait à 6 et il avait perdu. Écoute, dans tous les cas, j'ai aucun doute sur le fait qu'on gagnera cette game. Oui, mais bon, on aurait pu mieux la gagner. Un giga de bug. C'est fou. Merci. Salut assurant. C'est pas faute de lui avoir laissé un créneau, quoi. Les tripes du Mans, ça dure longtemps. Eh ben, c'est vraiment un bon deck. On va lancer une dernière partie, je pense, Ouais. avec ce magnifique Lance deck. donc. On est à Oh, 2-0 tu là, as eu un avec le cri du paquet. Carnarium. Donc 2-0 plus 3-0, 5-0, 6. Oula, mais il y a du peuple fée là, t'as Je vu? suis à 6-1 avec le deck. Y a un peuple fée qui. Ah ben, c'est Tronofeldraine qui est rentré Il est dans gredin lui, regarde. Le gros, il est gredin là. Peuple fée et gredin. C'est vrai Ouais. que toutes les peuples fées noires, ou toutes quasi, sont gredines au 1, passage. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 peuples fées gredins là. Il s'appelle comment ce deck, s'il vous plaît? Il s'appelle Bant-Hydre. Ou Bantidre. Bant Midrange, ou Bant Ramp. Je t'invite à aller voir le Star City Game classique, le classique, pas l'open. Star City Game classique, Philadelphia. C'est le deck qui a gagné le tournoi. Valet PL 1, les bâtons dans les roues, 0. Zéro. Ça dégage les bâtons dans les roues. C'est gardé. Ça fait rarement des mains de merde aussi. Moi, j'aime beaucoup ce facteur-là. Bantidre, on dirait un espèce de dentifrice, Ça me mais fait penser à contre une Mantine, moi. maladie des gencives. Le Bant-Hydre. Ouais, vous prenez du Bantidre. Moi, ça me Bon, fait c'est les penser dingues, les Bantidres. à la bête bleue, le Bentide. Le Bantide hypnotisant, c'est ça? Ouais, je sais plus ce qu'il fait, il met des illusions et il est défense talismanique. Les 4-5, et tant que t'as des illusions, il est défense talismanique. Yes. Ah bah il joue à peu près le même genre d'archétype que nous, mais avec des spirales de croissance. Pourquoi nous on a rien et lui il a déjà plein de trucs? Parce que ça. C'est bien ça. Est-ce qu'on a un intérêt? Oui, on a un intérêt de pas se faire gérer notre accélération. Tu peux autoriser le message de Claque The Roi. Et je vais éternuer. Je vais Ah le oui. refaire, attention. Meilleur message en plus. Tony Gambit. Non, c'est bon, je l'en fais pas. Pourquoi nous on a une druidesse et lui il a Nissa? Il a fait tour 3 Nissa sur le play. C'est pas un problème, hein? Si, c'est un problème. Mais quand même. Parce que nous on a rien là. Nous on a que dalle. Voilà. Je me suis fait druidesse et druide. Bah, en vrai. De toute façon, il y a une Nissa là qui est en train de te mettre des beaux 3-3. Donc si tu fais pas une belle hydre pour aller la déloger. Ouais. Une belle hydre en Tu mer? voulais faire récif là? Ouais, je réfléchis à faire récif, quoi. Tu peux, hein, mais si ça te trouve pas un land, t'es vraiment pas bien. Ouais. Est-ce que quand on n'est pas bien comme ça, on en revient au truc où, de toute façon, t'es derrière, il faut pas grid à fond, tu vois. Ah bah de toute façon, le play, enfin pour moi c'est druide es druide,
pour avoir justement une hydre et arrêter de prendre des points de dégâts et aller tuer Nissa. Récif, sur un land, en fait, ça te fait juste le même play que Druid est Druid. Mais ça te donne de la value le tour d'après. Mais ça te donne de la value là, le tour d'après. C'est le play secure. Mais le problème de Krasis, c'est qu'on tue Nissa en deux. Ah non, Hydrovoras. En deux tours. Ah, tu veux Hydrovoras toi? Ah ouais, elle piète. Ok, on peut la faire à. Ouais, s'il la gère, bon, on peut la faire à combien? À 8-9? Actuellement, tu peux la faire ouais, 1, 2, 8, 3, 9. 4. What? Je veux pas comprendre. Le jeu fait un bruit bizarre. Ouais, 8-9, j'irai pas déloger ni ça. Tu la tueras pas en un tour, mais franchement, si Jumblog Hollande. Attends, il va faire un gros truc. Ouais. Alors en vrai, s'il avait tout, s'il avait Nissa tour 3 avec un powerplay dans la main. Il fait Mass Panip sur Druid et Druidess. Mais il a raison. T'as perdu là, forcément? Ouais, bah. Je sais pas, il te met 3, t'es à 12. Il a beaucoup d'accélérateurs, mais pas grand chose d'autre. Bah, moi je pense qu'on a perdu, mais si tu veux, on teste. Si tu fais Hydre là, c'est une 4-5. Je me fais déborder par tout son board là. Il peut juste full attaquer le tour d'après. J'ai un bloc comme ça, un bloc dans un 3-3. Je prends ouais, 6, 7, penser, 8, 9. Je suis à 3 et derrière il me tue à Nissa. Non, non, si il oui, grille oui. Sa meilleure carte maintenant, c'est qu'il est sûr de me l'étale quoi. Sinon, il l'aurait gardé pour quand je. Ça dépend, tu veux des pour brasses, sortir la tête de l'eau. J'ai joué pas mon deck. Non, mais si t'en jouais, c'était, il avait perdu quoi. C'était bingo. Okay. Enfin, il avait perdu. Il avait ses cartes, ouais, ses top bien, deck, mais bon. J'aime bien que t'es dans un Teferi dans les mirrors. J'aime bien que c'est t'es une dans les vénérienne. Hydres. J'ai le bon titre. Et j'aime bien ce side là. Ce side là. J'ai chopé le bon titre. Alors ça sent un peu le la crâne. Bonne rêve de Tony Landil là, ça fait plaisir. Est-ce ça. Que ces peuples fées qui sont en train de se faire Sons. Brûler Probable. Ah ça c'est dommage, avec un deuxième land on aurait voulu la garder. Hein. Réfléchis, ouais non, on si est pas sûr de. Tu es obligé de le jeter. Je pense. Les pas d'accélérateur, mais t'as tes landes, t'as de quoi gérer. C'est quand même mauvais. Hein. Tu jettes summum. Ouais. Bah c'est quand même très mauvais. Il faut que ça monte. On nous demandait tout à l'heure ce que si on avait des attentes pour la prochaine extension. Eh ben écoutez, moi j'ai rien de spécial. Ah, moi je voudrais un assainissement du format très très fort. Je ah, veux arrêter format. D'avoir des decks combo non ouais. Interactifs. Je parlais pour enfin je pensais que c'était juste les questions de ah, l'extension. Ah d'accord, ok. Oh, sur l'extension non, je fais confiance. Est-ce que tu fais adjoint sur oui. Elf? Ouais, je pense. Ouais, ça t'évitera de te prendre Nissa. Ouais. Ouais, vas-y. Sur l'extension en elle-même, non, j'aimerais bien qu'il y ait des bonnes bêtes, vous voyez, qu'il y ait bonne mécanique, qui fasse plaisir. Des vous decks, savez, decks à chaque midrange, fois on en fait. Parle, voilà, des decks je veux midrange. Du deck midrange. Et ça fait depuis le début mais de le vrai notre deck arena qu'on midrange. n'a pas de deck midrange. Là, je trouve qu'on a des decks un peu inclassables en vrai. Hein. On est. Genre Esper Hero, c'est dur de lui trouver un nom, quoi. Bah, c'est un midrange, c'est un midrange midrange contrôle, mais. Quoi. Genre là on a des decks ramp mais c'est pas des decks ramp en mode je vais poser des grosses menaces vite je te tue. C'est des decks ramp combo des decks quoi. Ramp combo un peu. On a Bandscape Shift en ce moment, enfin c'est fou quoi. Là tu prends ce. Bah moi j'en ai marre, je veux plus vivre de. Ah dommage. Je pouvais Roam Carcéral tu et. Tu prenais adjointe et tu prenais une. Ouais mais au moins tu vois, s'il me gère adjointe, je lui rends pas un Roam Carcéral. On va dire que c'est ok. Ouais. On va dire que c'est ok. Ouais, je veux et plus de méta avec Nexus, Cape Shift et tout. Moi ça c'est. Ces match-up là, ça me saoule en fait, ça me bande quoi. Ça te bante? Ça me bante. C'est pas Esper, moi franchement, les gens se plaignent d'Esper. Je trouve que c'est extrêmement fair comme jeu et que c'est pas si dur à battre pour ma part. Tu peux faire une grande attente le bassin des blages? Oui. Ouais. Propre. Donc, moi je me plains pas du tout de Esper Hero, je me plains de tous les match-up non interactifs quoi. Est-ce que vous faites des analyses de deck niveau noob? Genre analyse expert 1100 euros la séance, c'est cher comme séance d'analyse. Non, fais pas ça, TEDx. Un petit point de dégâts dans la Nissa. Ouais, faudrait qu'on puisse descendre notre Nissa à nous, mais c'est pas gagné. Bon, en vrai, il a commencé, il est sur le play, on s'est fait éclater, et là on n'avait pas d'accélérateur, et lui, oui, il a descendu Nissa donc. On est pas bien pour la gagner celle-là. Et on n'a pas de negate pour l'empêcher de faire des coquineries. Il fait chaud, non? Il fait extrêmement chaud.
Ok. Pour bounce un joint. Il peut bouncer fin des concertantes, avoir un 3-3. Et juste plus 1. Qui nous aurait obligé à rejouer cette fin des concertantes. Ça avait du sens de faire ça, hein, j'imagine. On prend 3, on n'est pas bien. Tu te bats contre tes landes, là, contre ton deck, c'est dur. Ouais. Négation, c'est nul. Non, bah, je peux plus en fait. Bon, on a perdu, écoute, ça arrive. Hein. Des fois, tu fais une non-sortie. Et... Bah ouais, mais là, c'est un peu deux fois d'affilée, c'est dommage, quoi. C'est dans le même BO, donc on va dire que ça nous fait perdre la game, quoi. Ouais. On a mis la liste sur le Discord, bien sûr, Ethénator. Tu peux aller voir sur le Discord de la Spark TV, il y a la liste. Ah là, s'il anime tous ses landes, c'est bien. Bah, disons que sur un land, ça va faire des trucs, quoi. Je suis pas mort, non. Je suis obligé de le garder pour avoir une désinfection sympa, quoi. On va y aller. On va. Ah non, t'es mort. Ah non, t'es pas mort. Non, je suis pas mort. T'es un. Eh ouais. Eh ben, t'es mort. Bien joué. Oh, il avait tout, lui. Hein. Il avait vraiment tout, tout, il tout. Il avait tout. On n'a pas pu le battre, quoi. Du coup, 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On relance? On relance une petite, là. Écoute. Ça a pris 8 minutes, celle-là. On peut prendre un instant pour débattre et parler avec le chat. Ou tu peux relancer une game comme tu veux. Je suis chaud pour jouer, mais si jamais il y a un débat qui se lance dans le chat, là maintenant, tout de suite, qui est moi, intéressant. Quand j'ai un débat, je veux dire juste échanger, etc. Je sais que maintenant j'ai pris l'habitude de la fin de mon stream plutôt que de lancer une game en viteuf. Moi aussi, mais là comme on est deux, c'est pour ça que je me permettais. Mais moi aussi, en fait, la phase de fin de stream, comme l'appelle Kawa, c'est en mode quand tu sais que tu n'auras pas le temps de relancer. Voilà, tu vas déborder. Voilà, il ne faut pas déborder. Donc comme vous voulez. Non, tu sais quoi, je relance et on va participer à ce petit débat. Fais un petit BO1 là. Non, tu fais un BO3. BO1 c'est dur quand même, mais je vais faire un petit BO1, ok. On va faire un petit BO1. Oh, fais Juninho. Juninho en BO1? Allez, ouais. Vas-y, c'est vendu. Prends Juninho et tu nous venges. Allez, c'est parti. Venge-nous. Est-ce que Scapeshift va perdre au prochain tournoi? Oui. Syracuse, c'est probable, mais il faudrait qu'on se rencontre. Ouais, voilà, bien entendu. Parle-nous de la future rotation. Pas grand chose à dire, on a des espérances, mais on n'a rien de concret. C'est intéressant de savoir qu'on va perdre Escape Shift et Nexus, et donc du coup les decks non interactifs dont je parle. Donc, ouais. Moi je suis plutôt hypé par cette rotation. On perd Eldra Noir aussi qui va faire du bien. En vrai ça, moi je pense que ça sera remplacé par Pesseur. Justement j'en avais le débat hier, je disais que mon deck passait la rotation, on me disait non tu perds Elf. Je dis moi en fait je rajoute un land et 4 Pesseurs. Et ouais, je joue le même deck. Mais c'est pas dans ton deck, ça fait la même chose. Mais dans d'autres decks, plein de decks, ça fait pas la même chose. Effectivement, je parlais pour Bantran, moi, spécifiquement. Mais c'est bien qu'il y ait le Pesseur justement pour garder des trucs, mais. Enfin, garder certains archétypes, mais sinon il y en a d'autres qui. Sortie, mon gars. En fait, ce qui me dérange énormément, moi, dans la rotation là, c'est qu'il y a des decks à l'heure actuelle, vous changez deux cartes, voire vous changez aucune carte même. Et ils sont déjà là, ils sont déjà forts. Vas-y, fais régisant. Hein. Je réfléchis si j'avais un intérêt à faire Domri, mais non, je pourrais. Ah, attends. Si, il joue au Simic Flash. Vas-y, joue plutôt Ceratops. Comme ça, tu lui mets la cloque direct. T'es sûr qu'il joue Simic Flash? C'est une porte, c'est pas joué dans Simic Flash. Je peux jouer un peu en version budget, je sais pas. Genre, pour toi, c'est sûr, c'est Simic Flash? Non, mais bon, ces couleurs-là, il y a des chances. De toute façon, okay. Ces couleurs-là, tu mets Ceratops. Ouais, c'est 4 tours. Dans tous les cas, c'est bien. Ok, je valide. Ah ouais! Bonne idée, hein? Ah ouais, bonne idée, ouais, exactement. Ah, pour moi, j'ai vu une porte, tu vois, j'étais sur un truc en mode et il est en train de me jouer Scapeshift, quoi. Ah, c'est possible. J'étais aussi, pas dans Simic Flash, mais visiblement, je pense qu'il jouait Simic Flash. Il joue plutôt, ouais. Effectivement. Rapide, tu peux en refaire une? Ah, bah, je vais. Hein. Il est bien ce deck? Bah, quand ça se passe comme ça. Du coup, ouais, en fait, il y a typiquement, genre, vous prenez Esper Planeswalker ou Esper Hero. Vous changez 4 cartes, mais vraiment 4 cartes. Hein, ça passe la rotation. Pas 4 cartes différentes, hein, genre 4 cartes en tout. Ça passe la rotation. Vous changez un petit peu les landes, hein, mais ça, c'est pas un problème. Ça passe la rotation. Et du coup, ça me fait peur. Je me dis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la prochaine extension pour battre ça? Parce que sinon, ça va être juste ce deck-là. Tu prends le deck que je joue, tu mets 4 Pesseurs à la place de 4 Elfes, ça passe la rotation entièrement. Ouais, pareil. Donc, t'auras toujours des decks qui vont ramper dans Hydre, en fait. Et des donc, decks. Donc... Si c'est encore ça pendant un an, franchement, je suis non. pas fan quoi. Je pense que si jamais Baby Teferi ou Krasis. De quoi? Tu peux garder cette main. Ouais, je peux garder cette main. Je pense que si Baby Teferi ou Krasis est encore un problème, ils feront des bans. Franchement, Baby Tef, je le vois mal rester là en septembre. Sauf si il y a un environnement vraiment adapté à lui.
ou qui fait que la méta est différente, mais. Après, si avec Throne of Eldraine, on a un archétype tribal. Tac, 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 on va prendre un petit raptor là. Ouais. Si on a un environnement tribal avec plein de petites créatures en mode Ferris, en mode tempo contrôle, aggro tempo et tout. Et non, parce que Ferris, il y a plein de trucs flash. Et Teferi, c'est genre non. Teferi empêche, ouais. T'imagines, Et ils en laissent une plus. carte qui nullifie leur format. Ah, mais Enfin. pourquoi pas l'avoir banni maintenant alors dans ce cas-là? Tu vois, parce que Bah, même parce que. Bandscape Shift est trop fort à cause de Baby Teferi. Bah, Les parce qu'il réponses n'y que a t'as, pas elles vraiment sont. de gros tournois standard, donc. Pour le circuit officiel Magic. Enfin, Ouais, Wizard. je suis d'accord, mais Donc. faut penser à Magic Arena, quoi. Ah, mais bon, on Faut sait que penser à ta Wizard, des jauge. fois, il prévoit pas forcément ce qui ne les concerne pas directement. Ce que je comprends. Ok, il Donc. joue Grixis Dracuset. Intéressant. Ouais, je sais pas, je suis. Moi, je. C'est mon avis personnel et je pense pas avoir la clé ou la raison, c'est plutôt mon avis subjectif. Je préfère voir la disparition de Scapeshift et Nexus que de Baby Teferi. Mais je serais pas contre sur la. Que la dominance de Baby Teferi soit vraiment amoindrie. Bah, le truc, c'est que tu peux plus jouer des decks Tu contrôle peux parce plus que jouer de deck contrôle et y ça a m'emmerde. 8F et. C'est dommage quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Parce que en plus, il y a quand même des decks comme Simic Flash qui existent, donc les decks entre guillemets enquiquinants qui jouent des contres, etc. Ils sont là. C'est juste que le vrai deck contrôle avec des Wrasse, des contres et un kill en fin de partie, bah, le classique en fait, le Ce classico. qu'on jouait Esper Control jusqu'à avoir The Genre Spark, ça n'existe plus. le Dimir Control de l'époque. Fate Reforge, bah Ouais. ça impossible actuellement. Il se ferait juste plier en deux par Teferi. Teferi, genre, Ah annihile le bah deck de oui. l'époque en standard. Je trouve ça dingue quoi. Une époque il y a 4 ans, donc, enfin 5 ans. Donc, je vous parle pas de cartes non plus de l'alpha et de la bêta. Tu mets cher là. Ça pique assez, ouais, étonnamment. C'est vrai que TFA 3 n'est pas suffisamment cher pour son effet, mais l'effet qu'il a, justement, il est intéressant parce qu'il coûte 3. S'il coûtait plus cher, On jouerait peut-être à genre 4, à ne serait pas 5, joué. à 4, il serait joué, mais moins, je pense. Par contre, à 5, Bah j'ai gagné en fait. bah ouais. Ok, j'étais là en mode bah Par j'ai contre, gagné là. à 5, là, c'est sûr qu'il serait pas joué, quoi. Bon, ce deck est fort, voililà, Ils peuvent. conclusion. Ah non, j'allais dire, ils peuvent faire un errata sur Magic Arena, mais ils peuvent pas sur un Et Magic ils pourront papier, pas le faire en tout sur cas. Magic IRL, donc ça paraît compliqué. Après, DBS Card Game est un jeu IRL qui fait des errata sur ses cartes. Ah ouais? Ouais, donc Il en t'as. réédite. Non, il la réédite pas. C'est juste la carte est erratée, c'est à toi de le savoir. Franchement, Ça marche c'est quand pas tu ouf, hein. t'intéresses à la compétition du jeu, sinon tu le sais pas quoi. Eh ouais, mais t'imagines le mec il Mais suit y a pas, il genre, je sais achète une pas. carte, Ah il bah la oui, mais reçoit, il a c'est pas payé. une carte, hein. Je peux te citer 5-6 cartes qui sont erratées. Mais oui, c'est extrêmement bizarre. Mais il y a Je des jeux trouve ça. qui arrivent Ah, mais à si le tu la faire. réédites pas. En disant que la carte. Ah Genre, mais tu changes juste un peu le même nom. si tu la réédites, il faut la donner à ceux qui l'ont déjà, c'est impossible. Mais non, regarde quand ils bannissent une carte. Ils donnent pas une carte en compensation. Ah mais bien sûr, mais si en gros tu la réédites dans le prochain set, c'est ça que tu veux Ouais, dire? tu la réédites dans le prochain Ouais. set. Tu changes juste un peu le nom. Et tu. Je sais pas, elle coûte un de plus. Oui, en Elle fait a tu moins de refais marqueur la même loyauté. carte, bien Et tu dis, sûr. voilà, dans ce format, par contre, telle carte est bannie. Et du coup, ça fait que ceux qui ont déjà, bah, c'est comme quand il y a une carte bannie normale. Ouais. Bah C'est écoute, tant pis. DB se font pas liège du tout. Ils disent cette carte elle est Franchement, ratée et si on c'est à avait toi. une, je me serais dit ok. Après, il faut Il y prendre en compte, c'est pas a. comme Magic. Magic, t'as un gros setup de joueurs, casual, où tu peux jouer avec tes amis et tout. DB, c'est un jeu qui n'existe que par la compétition. C'est-à-dire qu'à DB, tu récupères les cartes qu'en Ouais. faisant des tournois. Tu récupères toutes tes promos et un paquet, ça compte un tiers ou un quart de promo. Ah, Et mais quand tu peux même. les récupérer qu'en faisant des tournois. Donc DB n'est un jeu qui n'existe que si tu vas faire des tournois. Donc en vrai, du coup, les errata, tu les connais. Mais c'est vrai que s'il y avait une espèce d'engouement casual avec DB, bah, les gens joueraient des cartes qui n'est. Enfin, des plays qui n'existent pas, quoi. Une semaine, ça coûte 3 mana. Oui, non, ça coûte 1, mais. Alors, putain, c'était en réaction à quoi qu'il disait ça, Kara? Non, c'est Valhalla qui disait que les Boons Créa coûtent déjà 3 en comparaison. Ah oui. Mais. Les Boons qui piochent. Non, du coup, si on pouvait avoir une attente pour la rotation de septembre, ça serait que Eldraine soit aussi stylé que ses visuels le laissent penser, de 1. Ah, les visuels, les gens sont dingues. Espèce de boucle d'or là qui tue des ours là, Très très avec beau. les j'ai trop hâte de savoir ce que c'est les livres, les cartes livres. D'accord, T'as pas vu? non, j'ai Bah, pas en vu. fait J'ai vu les visuels, mais. le texte de la carte Ouais. bah, c'est un espèce de livre ouvert. Ok. J'ai pas du tout fait attention. Et du coup il y avait un effet, genre c'est une 1-2 pour 1, et un effet à 7 mana dessus. C'est une unco, donc ça doit être en mode pour 7 mana Mais elle est elle partie. évolue, tu vois. Ok. Genre c'est à mon avis genre la fin du compte.
Je pense que ça va être un truc comme Un ça, délire avec des comme une contes et tout. transformation, ou alors. Parce qu'on est d'accord, c'est Dark Fantasy, Kaamelott, les contes de Ah, c'est Grimm. exactement les légendes arthuriennes, les contes de Grimm, Les contes de Grimm, les ok. inspirations. J'ai vu Kaamelott aussi, ouais, quelque part. Bah, c'est les légendes arthuriennes, Kaamelott. Ok. Et quand tu. Enfin, je trouverais ça stylé, par exemple, de faire des cartes combo, entre guillemets, où vous avez cette 1-2 pour 2, donc, et pour cette mana, ça va vous faire chercher dans votre deck 3 cartes qui sont les parties de son histoire. Tu vois, typiquement Boucle d'Or, vous allez chercher le piège à loup, le bol de lait, et je sais pas, et le truc pour se peigner les cheveux. Enfin, je dis ça franchement au hasard. Et du coup, quand t'as ça sur le champ de bataille, ça fait un trigger, ça fait que le compte est réuni, et du coup, t'as un effet bonus, tu vois. Ce serait méga stylé. Ah, ça me fait penser à Hearthstone, moi, quand tu cherches à assembler plusieurs cartes comme ça. Ouais, mais là, tu les assembles avec une seule. Une seule qui est une bonne carte, par exemple. Ok. Et t'as un effet sur la carte qui dit bah, tu payes tant, tu vas chercher ça, et ça fait ça. Ok, donc tu as des attentes spécifiques sur des mécaniques, quoi. En fait. Bah, j'aimerais bien que ce soit des mécaniques intéressantes comme ça. Si c'est juste pour 7, elle gagne plus 4, plus 4. Oui. Je m'en fous, quoi. On l'a vu et revu dans plein de trucs. Après, que ce soit pas pété non plus. Parce que Ok. si c'est genre. Il faut que t'aies 4 cartes dans le deck qui vont chercher entre elles et qui te font gagner la partie en jeu. Oui, c'est un peu. Bah, ça C'est devient un peu fort, Hearthstone en quoi. fait. C'est sur Hearthstone, t'avais Voilà. des combos kills, fallait avoir 5 cartes en main. Et c'était joué, hein. Ouais. Et si t'avais 5 cartes en main, t'avais gagné. Non, en fait, en gros, Ouais, je pars la un vraie peu loin, question, mais c'est je cherche, quoi. est-ce que tu attends plus de Throne of Eldraine que de la rotation? Et moi, personnellement, j'attends plus de la disparition et De de la certaines cartes, rotation ouais. que de Throne of Eldraine. En fait, Ouais, mais. qu'importe ce que fera Throne of Eldraine, je serai content que des cartes disparaissent. Bah déjà, mais j'espère moi surtout que Throne of Eldraine va en plus apporter un power level et certaines cartes assez puissantes pour Capable de justement, matcher Espero et Rotrant voilà, qui ou est. alors il faudra des bans. Déjà Ou alors il franchement, faudra des bans. tu bannes Baby Teff, Esper-Hero et tous les decks C'est plus le même Bant, deck. Ouais. etc. Bah tu sont bien moins règles forts. Bantrempe et Espero. Donc ils sont toujours jouables et bien, Je suis d'accord avec mais toi. ils passent peut-être tier 1.5 ou tier 2 au lieu d'être genre tier 1. Carrément. Ou alors tu peux bannir Hydre qui te donne forcément envie de jouer Nissa. Parce que j'ai vu une question aussi sur le chat où les gens se demandaient, est-ce que vous trouvez pas que Nissa c'est une carte dégénérée pour le standard? Eh oui. En fait, En fait, à quel moment t'as envie de jouer vert sans Nissa, à part déjà, jouer le dinosaure? problème de Nissa, c'est qu'il y a Elf. Et Elf fait que Nissa peut arriver tour 3. Donc déjà ça, c'est un gros problème. Si t'enlèves l'Elf et l'EPCR, du coup, parce que ça fait la même chose, Nissa peut pas arriver avant le tour 4 au plus tôt. Et c'est déjà fort, C'est vrai que mais ça change les tu gagnes un choses. tour. Parce que regarde là, quand c'est l'adversaire qui commence, il te fait Nissa tour 3. Tu Toi, as. t'as au mieux un tour 2 qui fait ramper, t'es bah, T'as quasiment perdu. fini. Bon, ouais, Donc instantané. c'est pour ça, moi je trouve que c'est le fait qu'on puisse la jouer plus tôt qui est vraiment pété. Parce que la carte, si tu considères que tu la joueras toujours tour 5 et des fois tour 4, ça reste une très bonne carte, mais ça va Alors, quoi. Kawa, on est d'accord avec toi, mais pour avoir vécu beaucoup de standards, il y a toujours eu des cartes plus fortes que d'autres en standard, on est d'accord. Et en plus, tu nous connais personnellement, on n'est pas du genre à rager sur telle ou telle carte. Moi, je trouve que le format est sain et que plein de decks sont. C'est juste, on en a un petit peu marre de ces méta où tu peux plus jouer contrôle, tu peux plus jouer midrange, tu dois jouer full aggro, ou alors tu vas jouer ramp et combo. Et quand je dis ramp et combo, c'est souvent le même deck Ouais. d'ailleurs. Et moi, ce méta-là qui ne propose que deux archétypes viables, bah, ça m'emmerde un petit peu. Donc, c'est pas le power level des cartes que je remets en cause, c'est la non-diversité des plans de jeu, pas des decks, des plans de jeu. Ouais. Et donc, ça, c'était un petit peu problématique. Et je trouve que là, ça fait quand même quelques mois, voire beaucoup de mois. Que sur Magic Arena, on n'a pas les méta les plus saines, et pour avoir fait beaucoup d'autres standards, je peux te citer des standards qui étaient beaucoup plus fun et sympathiques que celui qu'on vit actuellement et que celui qu'on pouvait vivre même sous Kaladesh. Vraiment, depuis Arena, c'est pas non plus les meilleurs standards de tous les temps, quoi. Ouais. Et donc, en vrai, c'est pas le power level trop des cartes, c'est ce que interdit Teferi en fait Faut qu'il soit quand je dis qui power pose level, problème. je demande pas des cartes trop pétées qui font que ça c'est nul. Je demande des cartes en fait d'un niveau au moins équivalent. Parce que si jamais vous faites une extension, là, imaginons donc tout part et vous mettez que Ixalan, hein, dans le format à la rotation, votre format ne bouge pas. C'est bon, c'est pas ce qu'ils vont faire, hein. Mais Ça genre, bouge pas grand-chose, ouais. regardez, je vais dans deck collection. Bah t'enlèves même des decks qui battent les tiers 1, t'enlèves de tout ce qui est mono bleu et Parce tout. que là, vous êtes en train de peut-être de penser non, mais il y a le pack Explore si tu remets Ixalan, mais non. Mais le pack Explore Parce est plus que joué. le pack Explore, déjà, il est plus joué. Il est plus Et si joué, tu n'as on s'en que fout maintenant. Ixalan, tu n'as pas tout le pack Explore, justement. Tu as la Marche-Branche et lui, mais tu n'as pas le Ranger, typiquement. Ah que Ixalan, je croyais que tu parlais Non, non, de non, pas le l'entièreté bloc. de la rotation. Genre, imaginons la prochaine extension, c'est Ixalan. Là, votre format, il ne bouge pas. Ouais. Enfin, il y a des decks qui sont plus jouables, mais genre Ah d'accord, moi je croyais que les c'est en deux mode decks si tier 1. t'enlèves ça change rien. Et Non, non. Imaginons que la prochaine extension, ce soit Ixalan. Et ben, je pense que ben, y a Vampire et Dino du coup qui apparaissent. Imaginons que Ixalan ne soit pas dans le format là. Ouais. Et c'est pas des decks tier 1. Si, Vampire, c'est un peu tier 1.
En ce Mais moment, Dino, ouais. J'y c'est. crois pas des masses à long terme. Voilà, Dino, c'est bof. T'as Esper Hero et tous les decks bantes qui sont toujours jouables. En mode aussi fort. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je dis, je veux pas une extension pétée, mais je veux une extension qui rivalise. Parce que sinon, vous allez juste avoir War of the Spark M20 dans les decks. Avec un peu de Ravnica. Bah ouais, non, c'est ça. En vrai, pour revenir en arrière et trouver le standard le plus sain que j'ai connu sur Magic Arena, c'était le standard à l'époque où on a participé à l'Arma Cup et où t'avais Golgari midrange, t'avais des decks midrange, Jeskai t'avais Control. Jeskai Control, t'avais Monored Aggro, et c'était un format qui était très simple avec un vrai Ouais. archétype qui battait d'autres archétypes. T'avais donc du coup Monored qui battait Jeskai, Jeskai qui devait jouer des cartes spécifiques pour vivre contre Monored, Jeskai qui arrivait à battre Golgari, et encore Golgari avec son side et avec ses contraintes. On avait vraiment des archétypes simples, concis. Qui arrivaient vraiment à se battre les uns les autres. Et je trouve pour moi que c'était un format qui était plutôt ok. Je suis Après, on juste était déçu en début de que. rotation et le power level des cartes était bas, par contre, à cette époque-là. Le seul Et c'est problème peut-être ça aussi. à cette époque, je trouve que c'est Golgari était trop fort par rapport aux autres decks. Golgari était Il pouvait vraiment perdre pété. contre Mono Rouge et contre Jeskai, mais il avait une puissance telle que déjà il était très représenté, très fort, et en plus il n'avait pas d'autres. Il était très fort pour le méta, parce qu'en soi les decks Ouais. étaient d'un power level assez Ouais, c'est faible, mais c'est sûr. normal, on avait un format 5 extensions comme le Jeskai. T'avais pas d'autres decks midrange pour se battre, et souvent en fait dans un format sain entre guillemets, vous avez deux decks midrange, un qui est un peu moins bien que l'autre, mais qui a des meilleurs match-up sur d'autres Contre matchs, d'autres trucs, quoi. et du coup vous devez un peu choisir lequel des deux, et il y a une espèce de bataille, etc. Là, non, c'était si tu veux jouer midrange, bah, c'est Golgari. Il n'y a aucune autre raison de jouer autre chose, et ça c'est dommage. En fait, c'est les cartes de side qui étaient trop pétées, Bisous quoi. Quand bébé t'as branche. contrainte dans le format, t'as envie de jouer contrainte tout le temps, quoi. Mais c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, en fait, pour le coup, la diversité était pas incroyable, mais je trouve que tes match-up étaient intéressants, tu vois. Pour gagner tes games, quand tu faisais une game de Golgari contre Jeskai, il fallait grinder, il fallait savoir jouer correctement, il fallait placer ta contrainte au bon moment. C'était pas du tout autopiloté, alors que maintenant, sur les versions ramp, et je m'autocritique parce que je joue ça, hein. Si tu peux faire Nissa tour 3, tu vas gagner ta game, quoi. C'est dur, hein. Enfin, c'est Voilà. fort. Alors, les adversaires vont t'empêcher de faire Nissa tour 3, c'est un peu ça, mais. Bon, je pense que le standard va quand même bouger. Comme le dit qu'avant, on va passer d'un format à 8 extensions, 9 avec M20, ce qui n'est pas censé arriver. Là, on est dans un truc qui n'existe pas. Magic 1 va avoir Non, 19 et M20, on a normalement, ça 8 n'existe extensions. pas. On a 8 extensions là Et avec un 4 M20? par an, ouais. Bah, c'est Ok. les deux Dixalan, Dominaria, M19, ça fait 4. Les deux Ravnica, War of the Spark, M20. Ok. Bon, en tout cas, on est dans un format qui n'est pas censé exister. Normalement, c'est censé être à 7 extensions. Et en fait, là, en septembre, on sera qu'avec 5 extensions. Donc, ça devrait quand même aller mieux, je pense, tu vois, Une dans réforme l'ensemble. des différents mois? Non, je pense pas à Syracuse. Quand même pas. Non, c'est très bien. Hein, il faut voir en fait ce qui va se passer, mais effectivement, il y a de grandes chances que l'extension qui sorte soit pas assez forte pour concurrencer, quoi. Bah, le problème, c'est que les decks tier 1 du moment passent la rotation. Enfin, Ouais. pas les decks non interactifs, hein. Je parle de Esper Hero et de Bant Ramp. Et il va falloir que Throne of Eldraine amène des archétypes qui soient capables de battre ces decks-là. Et le meilleur moyen, en fait, ce que vous avez du mal à faire sur un Corset, par exemple, ou même War of the Spark et Guild of Ravnica, c'est un peu compliqué, c'est d'amener des nouvelles mécaniques. Parce que quand vous regardez, il n'y a quasiment aucune mécanique qui est vraiment jouée, si on joue juste des cartes fortes. Il n'y a pas de. Ah bah tiens, moi je joue Explore. Enfin, genre Explore en jouant que ça. Ah bah tiens, moi je joue Tempo Bleu-Rouge, parce que quand je joue Bleu-Rouge, il y a plein de draws de cartes, etc. C'est juste que des cartes fortes quasiment. Et si tu as des mécaniques justement qui te donnent envie de jouer autour de cette mécanique là, ça bouleverse ton format. Parce que si tu as une mécanique par exemple prouesse, je prends l'exemple de prouesse, bah, ça donne envie de build autour de ça. Bah, là, tu vas avoir un deck aggro prouesse qui va pouvoir rivaliser plus facilement grâce à ces nouvelles mécaniques contre ces autres decks là, quoi. Il faut Mais que les si tu mets juste des mécaniques, il cartes faut que fortes. les mécaniques qui sont implémentées soient assez fortes pour être jouables en standard, ce qui Oui. n'est pas tout le temps le cas. Non, Mais non. effectivement, Non, puis il y a si Surveil tu donnes Arras, envie mais. de builder des grosses mécaniques, je suis d'accord. Et du coup, il y a Sensei93 qui dit, je trouve que le format est riche justement et varié, mais qu'il y a sans doute des cartes trop fortes. Mais moi, en fait, pour moi, le fait que tu puisses jouer plein de decks comme actuellement, effectivement, il y a 12, 20, 30 decks sur le ladder qui peuvent monter mythique. Mais pour moi, c'est pas ça. Moi, je voudrais qu'on puisse jouer tous les archétypes. Mais s'il y a qu'un seul deck par archétype et que le format n'est fait que de 4 ou 5 decks, bah ça me va, moi. Du moment que le format est S'il est sain. sain, ouais, c'est Du moment que bien. le format est sain, ça me C'est dérange pas. souvent ça, Ça me dérange pas. Un format le sain, c'est premier un format de format. 4-5 decks. Ouais. Voilà. Quand il y a 20 ou 30 decks comme ça, c'est pas méga sain et c'est pas méga intéressant. Tu peux pas sider correctement. Enfin, je veux dire, monter le ladder actuellement, c'est une horreur, quoi. Ah, Enfin, c'est trop genre, chiant. c'est une horreur. C'est trop compliqué, quoi.
Donc voilà, mais c'est un bon débat. Donc en vrai, pour le coup, en creusant un peu, ouais, on a des attentes avec Throne of Eldraine, quoi. Grave. On a des vraies attentes, quoi. Je regarde un petit peu dans le chat parce que vous avez beaucoup échangé. Merci beaucoup à vous d'ailleurs. Voir si on n'a pas loupé de trucs. Bah, c'est en fait chaque fin de rotation, à chaque fois qu'on approche de la rotation, on a toujours les mêmes demandes, les mêmes attentes, les mêmes envies. Hein. Faut savoir que le méta de Kaladesh, c'était encore pire. On était là en mode quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Stop quoi. Ouais. Donc ouais, c'était pareil. Il y a un deck qu'on voit pas aussi qui passe bien la rotation, c'est Plume. Plume, Il c'est vrai. perd seulement Reckless Rage, qui est très important, je suis d'accord. Mais tu le joues en Naya avec Damoiseau en bouche et c'est bon quoi. Ouais, en fait, tu peux cutter les réponses qu'il avait et juste full aggro et ça se passe bien aussi. Hein. Donc Même juste en blanc-rouge, en mode je vais protéger Plume et j'ai une 3-4 fly qui est quand même un très bon body et et tu vas ma mourir quoi. gestion, ça va être des Lavacol plus classiques. Ouais. Possiblement que Plume est aussi un des très bons decks du moment qui passe assez bien la rotation. Mais Parce on que fera sûrement une finalement. vidéo dans le mois d'août de tous les decks qui sont Ouais. forts et qui passent la rotation. Ah, je me rappelle une question voilà, qui a été posée il y a très longtemps, donc je pense que la personne n'est peut-être plus là. C'était est-ce qu'on a des projets un peu dans les cartons ou est-ce qu'on se concentre toujours sur devenir streamer, enfin créateur de contenu à plein temps? Alors oui, on se concentre toujours là-dessus, puisque Bien sûr. notre métier à côté, en fait, c'est pion dans un lycée, on fait ça juste à mi-temps pour pouvoir vivre, pour avoir un salaire en fait fixe. Et sinon, on essaye de vivre de notre chaîne YouTube et de notre chaîne, enfin pas de notre chaîne, mais de nos heures streamées sur Twitch, notre activité de streamer sur Twitch. Mais le même problème, c'est toujours comme avant, c'est-à-dire que pour pouvoir peut-être se lancer, il faudrait qu'on ait full temps libre pour faire beaucoup plus d'heures de stream et plus de vidéos. Mais si on fait ça, on n'a plus un travail à côté. Si on n'a plus un travail à côté, On peut pas payer le on peut loyer. pas payer le loyer. On se retrouve dehors, pas internet, on peut pas faire de vidéos, oui, donc c'est compliqué. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faudra qu'à un moment on sente ce moment où on peut tout plaquer pour Ouais. se mettre à fond sur Twitch et sur YouTube. Et ce moment il n'est pas encore arrivé, mais on désespère pas, quoi. On n'espère pas. Et après, concernant juste des projets pour la chaîne, pour tout ce qu'on va faire, oui, on a plein de projets dans les tuyaux. On a surtout, Grave. on va changer dans notre emploi du temps l'année prochaine. Bah, c'est le travail qui va imposer ça. Mais du coup, on devrait pouvoir avoir un emploi du temps un peu plus sain, notamment pour Val, qui va nous permettre de respirer beaucoup plus. Et même pour moi aussi, parce que du coup, vu qu'on aura Du coup, on va des pouvoir horaires. s'adapter tous les deux et Voilà, ça va être beaucoup mieux. on aura des horaires qui seront beaucoup plus en adéquation l'un avec l'autre. Donc on devrait pouvoir se libérer un petit peu de temps ou alors vous faire plus de contenu. On verra comment ça se Déjà, être passe. moins aliéné dans notre vie personnelle, Ouais. parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte et en même temps, on n'est pas là pour se plaindre, mais travailler 30 heures à côté et faire tout ce qu'on fait lié à Magic, bah, je vous laisse calculer les semaines que ça fait et ce depuis Ouais. un an et demi, c'est très compliqué. Et donc du coup là de descendre à 20h, bah déjà ça fait 10 heures qu'on va pouvoir passer bah, déjà pour se reconcentrer un peu sur nous-mêmes, partager aussi du temps avec nos amis, nos chéris et compagnie, et puis aussi potentiellement en faire un petit peu plus sur YouTube, avoir des projets, des choses comme Ouais, ça. Donc sachez qu'on va toujours privilégier pour l'instant YouTube à Twitch, parce qu'en fait, le temps qu'on peut passer sur Twitch, si on en passait plus, en fait, ce serait 1 à 2 streams maximum par semaine. Alors que si ce temps-là, on convertit pour YouTube, on peut vous faire peut-être 2-3 vidéos de plus par semaine, imaginons, dans le même temps. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant, vu le peu de temps qu'on pourrait avoir en plus à investir, de le faire sur YouTube. Mais bien évidemment, si on était full time, on Ah bah streamerait beaucoup on plus sur streamerait Twitch tous les jours, quasiment tous les jours, je etc. pense, à terme. Alors oui, Sigriff, on continue à mi-temps l'année prochaine. On a des projets pour faire des événements spéciaux, Ça, vous inquiétez mais pas, c'est dans les ça prend bacs. beaucoup de temps et il faut qu'il y ait aussi un intérêt, pas juste faire un événement pour faire un événement, mais également on a ça dans les tuyaux. J'ai vu une autre question aussi. Ah oui, Comment on fait les les horaires bébés? de week-end. Comment on fait les bébés? Ça, ah, ne quittez pas. On fait une Faut page de pub, on vous montre juste demander à après. la cigogne. Demandez à la cigogne. Est-ce qu'il y a des streamers prévus pour le week-end ou étendre les horaires le week-end? Pour l'instant, non. Parce que il y a des événements comme ce Ouais, week-end, typiquement, qui et il y font en a eu plein que. d'autres week-ends. Voilà. D'ailleurs, venez demain à partir de. Je dis pas de 19h? Demain matin, on va partir Ah, de. pas chaud. Je crois qu'à partir de 9h, c'est lancé, mais même à 8h, je pense qu'ils vont pré-streamer à 8h, 8h30. Ok. Kawa peut confirmer dans le chat à quelle heure vous lancez. Mais demain, ouais, c'est le Mythic Championship Merci par beaucoup, Solab. US Marin 75. Merci pour le sub. Donc Donc. voilà, il y a des événements, effectivement, pour le week-end, je t'ai coupé, mais c'est ce que tu voulais dire, Ouais. qui fait qu'on peut pas mettre des streamers, ils vont. 8h30, merci Kawa. Un week-end sur deux, ils vont pas streamer, Bah, donc c'est chiant, tu peut-être pas vois. un week-end sur Par deux, contre, mais. nous, quand on a du temps, prendre des streams, c'est des choses qu'à terme, on aura envie de faire, ouais. Ouais. Si jamais on est un peu full time, là ce sera avec plaisir qu'il y aura des horaires le week-end, etc.
Mais c'est vrai que vu qu'il y a des événements en ce moment, là il y en a eu il y a un mois, il y en a un deuxième. Donc le problème en fait c'est pas juste d'enlever les streamers par exemple qui a du week-end, leur dire bah attends il y a un événement donc tu peux pas streamer. C'est que si on fait ça, vu que chacun en fait, comme vous l'avez déjà expliqué, etc., est rémunéré en fonction de son temps de stream, ce qui est normal, si on dit à des gens vous pouvez pas streamer, c'est compliqué en fait de payer des C'est gens au-delà qui de n'ont pas ça, streamé. c'est de lui dire tu gagnes pas d'argent. Et voilà, sinon vous devez payer des gens qui n'ont pas streamé et des gens qui ont streamé à leur place. Et du coup, avec une même somme d'argent, vous devez créer de l'argent en fait, si vous voulez payer Ouais. tout le monde pour Si on avait ça. une structure professionnelle, ça irait, mais on n'a pas une structure professionnelle, on a une structure collaborative pour l'instant. La Spark TV ne rémunère pas ses streamers comme un patron rémunérerait ses employés. Personne ne personne n'est payé au SMIC sur la Spark TV. Et c'est normal, on ne génère pas encore assez de revenus. Donc du coup, faire ces choses-là en mode collaboration, c'est quand même assez compliqué. Et ça nous permet en plus, nous, de mettre en place des tournois. Je veux dire, tous les week-ends, ça nous sert aussi à faire les tournois interstreamers. Il va y avoir le tournoi communautaire à la rentrée. Le Red Bull Challenge Untapped. Enfin, je veux dire, en fait, les week-ends, mine de rien, il y a eu les streams au Temple du Jeu par Kawa. Les matinées, les dimanches matins de Rossage de Ladder par Kinadin. En vrai, les week-ends, ils sont occupés, tu vois. Il y a des streams des fois le Il week-end, y a mais eu du stream le en fait, week-end et ça nous permet de mettre ça en place. comme on l'avait pu déjà demander par le passé à notre communauté, de par notre expérience de streamer, de l'expérience des streamers de la Spark TV, etc., on sait que si on fait des streams le week-end, il y aura moins de viewers. Et là, en fait, enfin, il faudrait s'investir et que des gens s'investissent ou même recruter des gens pour streamer le week-end. Quand bien même n'aurait que peu de viewers, ou à part le soir, hein, parce que le soir, samedi, dimanche, je me doute qu'il y aura des gens, mais sinon en journée, ce serait pas le cas, donc ce serait vraiment pas intéressant en fait, je pense, ce que ça coûterait humainement, en temps, etc., en investissement de temps Ouais, en tout et cas, pour l'instant, en ça vaut pas le recrutement coup, ouais. par rapport à ce que ça générerait comme trafic, etc., pour parler vraiment en chiffres, entre guillemets. Kawa Donc c'est dit, sûr que ça vaudrait pas le coup, quoi. on touche pas le SMIC, ah bah non, bah à des années-lumière. Hein. Ouais. Ah bah alors vraiment. Oui, parce que là, on parle même pas de faire du profit, etc. Vraiment, Non, c'est juste, en c'est. fait, payer les gens à leur juste valeur pour le temps Voilà. travaillé. Pour l'instant, le Spark TV ne peut pas le faire. Parce que si, voilà, on Ouais. demande à quelqu'un, bah écoute, tu peux streamer 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, par exemple. Donc lui, déjà, ça lui prend son week-end. Enfin, ça lui coupe bien son week-end en deux, en tout cas. Et s'il fait ça, et qu'on lui dit, bah voilà, bah pour ces 6 heures de stream au prorata, etc., ça te fait 10 euros. Bah, c'est parce qu'on est une télé amateur, etc. Bah, c'est sûr que le mec va se dire, bah, je fais pas ça. Et je vais garder mon week-end Je quoi. vais Mais garder mon c'est week-end, et c'est normal. normal. Mais voilà, c'est pour ça qu'en ce moment il n'y a pas ces trucs-là le week-end. Et puis au-delà de ça, nous on essaye de les combler avec des événements quoi. Ouais. Mais Sinon, au ratio du talent. si un jour la Spark TV décolle comme une fusée, qu'on satellise la Spark TV, peut-être hein, bah effectivement oui, il y aura des horaires de week-end quoi. Mais il faut satelliser la Spark TV. C'est à vous de la satelliser en se banant, vous abonnant et venant nous voir. Donc Exact. satellisez-nous. Et si vous nous satellisez, je vous jure qu'on streamera les week-ends. Ouais, Mais promis. satellisez-nous quoi. C'est le moment. Satellisez donc, enfin, Eh comme oui, ça. satellisez-nous. Ether Nator nous demande de mettre un plan de side en description pour les decks YouTube. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'en fait, des fois, on n'a pas Beaucoup de vraiment de recherches plan de aussi. side. Ça demande de la recherche. Et si on doit mettre le plan de side pour chaque vidéo, donc contre tous les decks de la méta, quand il y a une méta, par exemple, comme il y avait en septembre dernier, c'est potentiellement faisable, puisqu'il n'y a Plutôt vraiment que simple. 5 decks. Donc, du coup, tu enlèves ton propre deck. Et on va dire qu'il y a 4, 4, 4 decks, 5, ouais. 4-5, voilà, à mettre au Là, en ce maximum. moment, ouais. Là, avec tous les decks, en plus, je pense que vraiment, il y a 10 decks tiers 1. Sans Ouais. marseillaiser, ou tier Peut-être 1, pas, tier 1 et mais il y demi. a 10 decks à prendre en compte sur Voilà. l'adder. En tout cas, tu es obligé de les prendre en compte parce qu'ils peuvent te saucer. Si on doit mettre 10 plans de side par vidéo, c'est long. Et en plus, des fois, on peut vous dire des bêtises. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à jouer Esper Hero, je ne savais pas que tu rentrais tes Wrath et que tu sortais tes héros dans un match-up, je ne Dans sais plus lequel. certains match-up, ouais. Certains Mais ça, match-up c'est normal. Mais si vous voulez des tables de contre side, Mantrampe. moi je vous invite pour les tables de side à aller sur des sites spécialisés. Et au-delà de ça, ça fera votre culture pour ceux qui s'intéressent au compétitif. Allez sur Star On le City dit Game, relativement souvent, sur ouais. Channel Fireball. À chaque fois qu'on fait une vidéo et qu'il y a une deck tech qui existe sur les sites spécialisés, on vous dit d'aller voir ça. C'est des pros qui les font, c'est des pros qui les ont pensés. Et les pros, ils sont plus légitimes que nous dans tous les cas. Bah, qu'en fait, quand tu crées ton deck, tu sais comment expliquer, comment sider. Parce que tu vas Parce que savoir c'est les toi qui cartes as que tu as mis qui pensé, sont faites dans le match-up, exactement. etc., quoi. Et en plus, comme le dit Kawa, même chez les pros, Ouais. tout le monde n'est pas d'accord sur certains plans de side. Chacun a ses propres plans de side et tout, donc on pourrait, c'est beaucoup de travail. Sur certains decks, vraiment le tier 1 du format, qu'un de nous deux joue beaucoup, on pourrait vous faire une vidéo spéciale side tech et tout. Ça serait une vidéo
fait pour, vraiment une deck tech approfondie, on l'appellerait deck tech plus avec les plans de side, mais ça serait une vidéo à part entière. Mmh. Ça peut pas devenir la norme en fait, c'est ça que je veux dire. Mais les sides, ça dépend des tournois qu'ils ont joué, de ce qui va être le plus joué. En plus, c'est vrai que le side, tu vas l'adapter. Par exemple, si tu sais que la méta à un grand prix va être pleine de Golgari, eh ben, tu vas rentrer des Tocatli Honor Guard. Et typiquement, Tocatli Honor Guard, elle a été, elle n'était pas jouée ou très peu en side. À l'époque de Ravnica, premier du nom, pas premier du nom, mais les guides de Ravnica. Ouais. Et au Grand Prix qu'on l'a fait, comme dans la salle, il y avait 60% minimum de Golgari, mais vraiment, ah non, c'est ceux qui sont convertis, donc il y en avait peut-être plus, mais il y avait au moins 60% de Golgari. Beaucoup de Golgari. Donc sur 1500 joueurs, ça fait beaucoup, ça fait 850 decks, je crois. Ouais, c'était énorme. À peu près. Bah, du coup, donc, tout le monde avait de Golgari. Tout le monde a ça et ça. Et ça, typiquement, si on vous fait la vidéo, genre juste avant le Grand Prix, on ne va pas le dire parce que ça n'aurait pas été connu, on n'y aura pas pensé, etc. Alors que c'est vraiment évident de faire ça. Donc, encore une fois, typiquement, un exemple où on vous expliquerait un side qui, deux jours après, ne serait plus le bon. Donc, c'est en plus pour rajouter au fait que sur place, Carnage Chiant coûtait 30 euros. Ouais, et sur place, Tocatli Honor Guard était 5 euros pièce. Rupture de stock dans tous les vendeurs officiels et c'était 5 euros pièce si tu voulais t'en récupérer. Ouais. Alors que c'est une carte à 20 centimes. Ah, voilà. Je voulais la récupérer et on l'a proposé une à 5 euros. J'ai dit déjà 5 euros non, et en plus et une ça me suffit. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog du GP Lille qu'on a fait, en gros, tout le monde pensait, comme PL jouait Boros Angel qui sidait des Tocatli, tout le monde sidait en fonction de Tocatli quand il rencontrait Golgari, c'est-à-dire rentrer des cases down pour gérer la Tocatli, et en fait PL les avait pas. Et non. Du coup, en fait, les mecs sidaient mal, parce que cases down ça ne tuait rien dans ton deck. Ça tuait les tokens de Benalia. C'est tout. Osef. On s'en fout. Donc, du coup, c'est très rigolo. En fait, même le fait de ne pas avoir Tocatli, c'était tellement polarisant dans la tête des gens, cette carte. Ça a tellement fait le buzz que, en fait, les mecs, ça a aidé mal, quoi. C'était trop bien. J'ai fait 3-3, exactement, Sigrid. J'étais à 3-0, mais je me voyais déjà en haut de la scène. En haut de la scène. Je me voyais en haut. On se voyait tout là-haut, quoi. Ensuite, 3-3, quoi. Les Golgari sont arrivés avec leurs gros sabots. Et je me suis dit, mais comment je vais gagner? C'est vrai qu'on s'est fait un brief à un moment. Toi, tu étais à 3-0, moi j'étais à 2-1. Je suis monté à 3-1 et toi, tu étais aussi à 3-1 parce que tu avais 3 premières défaites. Ouais. On était là en mode, ça va être réglé cette histoire. Ouais. Et pas du tout. Et pas du tout. Ça a été réglé, mais. On s'est fait ça tel. Mais mal. Du coup, c'est la fin de ce stream. Merci beaucoup pour. Et bonsoir à Midria's Edge. Malheureusement, tu arrives à la fin. Merci beaucoup pour cet échange. C'est vachement cool. On fera ça parce que je sais que souvent on vous dit n'hésitez pas et tout, et vous êtes un petit peu timide sur les questions ou quoi. Alors que dès qu'on est parti là, il y a plein de questions qui fusent, on en a loupé sûrement plein. Donc, désolé. Donc voilà, désolé pour ce qu'on a loupé. Ce sera l'occasion dans une prochaine vidéo. On vous invite et je remercie Kawa et Kina de co-streamer le Mythic Championship 4 Barcelone en moderne. Je crois qu'on est la seule structure française à streamer le tournoi, l'événement. Donc si vous êtes français, que vous voulez voir des commentaires en français, en plus qui vont expliquer le moderne pour ceux qui ne connaissent pas, Kawa va être le plus inclusif possible. Il va être didacte. Il va être didacte si vous lui posez les questions. Il vous merci répondra. Beaucoup, 115. Et il a même fait une vidéo sur YouTube très importante où il qui a présenté... Qui explique le moderne, c'est ça? Qui explique le moderne et au-delà de ça, qui explique même les plans de jeu des decks principaux qui vont être joués demain. Oh. Donc c'est vraiment sympa, je vous invite à aller voir ça sur sa chaîne YouTube. C'est Kawa, je crois, tout court. Et c'est très important car il y aura des cadeaux tout le week-end. Et moi je vais venir parce que j'adore les cadeaux. Et donc voilà, je vous invite à regarder cet événement là, ce genre d'événement qui est très sympathique à suivre avec des commentaires en français, c'est vraiment cool. Le moderne, si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est vraiment genre l'essence même de ce qu'est un deck fort à Magic. Ouais. Pour ceux qui se plaignent du standard, allez jouer un peu en moderne, vous allez revenir beaucoup plus apaisé. Et puis voilà, c'est cool, je vous invite à faire ça et merci à Kinakawa de couvrir l'événement. Sachez que d'ailleurs en moderne, un tour 4, c'est trop lent, ouais, en général. Ouais. Un tour 4, vraiment que ce soit un tour 4 de ouf. Faut que ce soit Collected Company, c'est un instant qui vous fait regarder 6 cartes et vous pouvez jouer 2 créatures. Vous les mettez en jeu. En jeu, en éphémère. C'est fort. Hein. Toi, t'es là en mode, ah, merde. C'est fort quand même. Des trucs gratuits. On vous laisse avec une petite page de pub pour la fin. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à juste laisser le navigateur tourner pendant 2-3 minutes. Ça soutient Spark TV, ça nous fait plaisir. Je ne streamerai pas du coup demain après-midi, comme d'habitude vous me retrouvez de 14 à 17, mais là ce ne sera pas le cas parce qu'il y aura le Mythic Championship 4 ou 5 4. C'est le 4, ouais. Un T4 au Ketir. Du coup voilà, Jace Mind Sculptor aussi, c'est un bon tour 4 quoi. Bon tour 4 qui fait gagner et les gens se tirent dessus. Mais c'est pas grave. On vous fait des bisous, donc je vous retrouve pour ma part lundi à partir de 18h sur la Spark TV MTG. À moins que ce ne soit... Non, c'est pas cette semaine-là, c'est la semaine d'après, je crois que je suis pas là. Oh,
On en reparlera. Ne vous inquiétez pas. Bon, on part en vacances aussi. Voilà. On part en vacances. On se casse. Hein. Voilà, on part pas. On est juste en vacances. On vivote en vacances. On vivote en vacances. Bonne soirée, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao, ciao, bye.